Salut à tous les amis, c'est Dr Play, on se retrouve pour un bon live, enfin un bon live, hein. Un bon live sur Minecraft, comme d'hab, ensemble, voilà, et le live va commencer, oui, il va commencer, on va arrêter un peu la musique, voilà, upside support, et on est en live, voilà, alors attendez, hop. Je suis un tout petit peu malade encore, mais enfin, je vais arrêter de me répéter, mais vous savez que maintenant je suis assez malade comme ça. On va enlever les mute. Et nous voilà en live, c'est bon. Coucou le live. Oh. Bon, attends, je vais retourner avec les autres en discussion de j'arrive. Ah, ça y est, c'est bon, je vais lancer mon live. Alors, du coup. Je t'ai balancé un schématique. Ouais, j'ai vu ça, je vais regarder. T'aurais dû plus te faire si c'est la merde. Ah si, c'est celui-là, j'ai celui-là. Du coup, j'ai besoin de lui faire. Il y a qui d'autre qui a rejoint mon tour? T'as vu comment t'as mis ma paye, là? T'as déconné, t'es... On passe. Ouais. Voilà, les amis. Donc Cass, tu vas t'installer où d'ailleurs toi, Cass? Avec Doc. Allez, venez avec moi dans. Allez, dans votre future maison. C'est un peu une clodo, tu vois. Ça ne donne pas de Cass. Ah ouais, d'accord. Elle est sympa, les petites. Hein. Ouais, sympa, franchement. Oui, je trouve sympa. Le site que tu m'as envoyé, je suis déjà connecté dessus, donc c'est ça qui est bien. Yes. Ah ouh, c'est quoi ça? Ah, par contre, ça m'envoie vers un lien externe, par contre. Ah, ouais. Je vais regarder. Ah, oh, attends, si c'est ça, putain, c'est même pas la peine. Je sais pas, j'étais sur un site de simulation. Non, je sais, tu pouvais passer à l'angle. Salut à toi, Lucas Entertainment, comment vas-tu? Salut à toi, Magic K, et salut à toi, Roland Christ, comment allez-vous? Alors. Ouais, l'oublie le lien, c'est une sorte de virus. Alors, c'est peut-être tout le site qui était pourri, je pense. Non, c'est pas possible. En fait, les gens peuvent mettre de tout et n'importe quoi. Salut à toi, Origin Dark, comment allez-vous? Alors désolé les amis, si vous voyez que je joue pas tellement, c'est qu'on est en train de chercher. Il faut que j'installe Schematica d'ailleurs, je l'ai même pas installé. Et on va commencer à construire après les amis. Oui, on va s'installer dans un village. Ça te va, Blaise, ou quoi? De quoi? On a assez ou pas? Mais c'est pas de celle-là, mais les connes, mais putain. Mais c'est quoi que t'as besoin? Mais c'est de la stone tout court. Oh. Viens, viens, Crazy. Viens, Crazy. Non, mais c'est bon, Crazy, Elias. Voilà. Ah, viens voir Chrissy. Ouais. Place-toi ici. Mets-toi sur ce bloc-là, là où je suis. Si tu me tues, je te jure. Non, je te tue pas. Vas-y. Comment tu veux qu'il te tue? Toi, comme il faut, t'es sur l'escalier là. Je te trosse pas. Vas-y, bon, bah, au revoir. Hein. Ah, mais regarde, Chrissy, attends, pousse-toi. Voilà. Hop. C'est un passage secret. Ah, t'es pas morte. Ah, mais c'est le truc. Mais regarde, Crazy, le système qu'ils ont. Crazy, regarde le système qu'ils ont foutu pour la table d'enchantement. Regarde la table d'enchantement. Vrai? Ta gueule. Et hop là. Wow. C'est sympa. C'est une super table d'enchantement. Wow, une porte des étoiles Stargate version Star Wars. Non, c'est juste Stargate tout court. Oui, et c'est un plugin. C'est bien un plugin. Le plugin n'est pas gratuit, par contre, malheureusement. On l'a acheté, ce plugin-là. Donc, voilà.
C'est pour ça que c'est le meilleur serveur du monde. C'est ça. Lol. Venez c'est nombreux. C'est un serveur qui est en 1.12.2. Oui. C'est un serveur en 1.12.2. Je vous envoie le. Et toi, t'aimes bien mettre des boutons à chaque fois. Music Crazy, c'est l'admin le plus gaming du serveur. Hein. Pourquoi il y a peut-être toi, Alex aussi. Surtout Alex, quand tu es fatigué. Ah ouais. Alors toi, Doc, t'es un ange, ce qui paraît. Moi je dis Doc, il est gentil hein, quand il balance pas des voilà. Capotes. Pas de soucis, il n'y a pas de problème. Gouré, ouais, ok. Voilà, vous avez le lien du serveur, c'est en 1.12.2, donc n'hésitez pas à rejoindre si vous n'avez rien à faire. C'est une version premium du serveur par contre. Ah, un PayPal vient d'apparaître. La blague, c'est de la merde. Et si je veux remonter, pousse-toi, je fais ça. Pousse-toi, regarde. Tu vas voir ça. Abra, cadabra. Hop là. Ta gueule. Non, mais elle est conne, elle appuie même pas sur le bouton. T'as un bouton de votre casque, moi j'appuie pour toi. Non, mais tu sais, les lunettes ça existe aussi, elles les portent pas. Voilà. Ici, toi. Là, t'as un bouton devant toi. Au pire, mets-toi sur le slime block. Non. Elle ne porte putain. Pas ses lunettes, c'est normal. Ça va pas cliquer sur le bouton. Ah là! Putain, oui. En plus, ça fait bugger le truc. Allez. Ouais, elle est douée. Non, hein, je suis en haut. Non, je suis pas douée. Ah non, mais justement, c'est pour ça que je dis ça. Bon, alors il faut Schematica du coup. Bon, on va l'installer. Il me faudrait une autre. Bah, il me faudra un autre truc du coup. Ouais, que je trouve une maison médiévale. Bah, alors attends. Mais je comprends pas pourquoi ouais. ton pote master il s'est fait deux maisons. Il s'est fait qu'une maison, hein. Non. Ouais, il s'est fait deux. Ouais, il s'est fait deux. Bon, attendez, là, je vais juste quitter le serveur. Là. Aurélien, le serveur est dispo en crack. Non, il n'est pas dispo en crack, malheureusement. C'est que de la version premium. Oui. Attendez, je quitte le serveur pour... Bon, alors, attendez, regardez. Hop, je chatting, voilà. Vous avez la musique en même temps. On va juste la baisser un peu. Je vais entendre ma voix. Et rien que ma voix. Voilà. Dépression. Alors, on va les télécharger Schematica en 1.12.2, donc il faut aussi Lunastrius. Je pouvais pas te dire, mais je connais pas Schematica. Je sais, moi je le connais bien. Voilà, on va installer. Hop. Minecraft. Mode. Voilà. Là, moi j'ai fait une porte. Ouais, désolé. On va essayer de trouver aussi des. Un schématique. Schématique Minecraft. Medieval. Voilà. 5 maisons médiévales. C'est du Schematica ? Oh, c'est du Schematica, oui. Ah, non, ça, je vais devoir s'intéresser. Oh, oui, ah, d'accord, ok. Ça va ? Ah, oui, la maison, elle est sympa. Tiens, j'en ai deux déjà de Schématique. C'est quoi, c'est genre, tu mets ça et. En gros, tu le vois, mais par contre, là, le mode Schematica que j'ai mis, en gros, tu vois la construction. En mode survie, tu vois la construction, mais tu construis avec les blocs que tu auras trouvés toi-même. Mmh. Voilà, comparé au World Edit où en gros, tu copies-colles, tu vois le truc. Le truc que j'aurais jamais dû montrer à Cassandra, par exemple. Oui, c'est ce que je lui ai dit tout à l'heure, t'en veux pas. Je lui ai fait comprendre, mais je pense qu'elle a compris. Enfin, j'espère qu'elle a compris. Parce que tu sais qu'hier, je lui ai dit, ça marche comme ça. Après, elle me sert, on entend, elle est morte de rire, on la voit à côté de nous, c'est quoi ce bordel à la fenêtre. Putain. Là, tu vois, comme quoi, il faut pas lui laisser la hache dans la main parce que t'es sûr de retrouver ta maison en hache, complètement trouée, tu vois. Elle va transformer la maison en Herobrine, tu vois, je sais pas comment. Yes. Tu reconnaîtras même plus ta maison, même plus ton village après ça. N'importe quoi. Je te mets à niveau 2, yes. Alors. Ton cheval est toujours à l'envers. Oui. C'est le dinner buff, c'est normal.
Il est trop beau. Ouais. Il ressemble à Crazy lorsqu'elle est à l'envers, mais d'une autre façon. Crazy, moi j'ai l'habitude d'être mangé. Hein? Oh, c'est méchant. En même temps, c'est réel. Hein, quoi? Oh, oh, oh. J'ai dit oh, quelque chose. Mal, hein. Crazy. Hein, moi, j'ai compris que qu'une certaine personne lui démontait. Hein, quoi? 1, 2, 1, 2. 1, 2, quoi? Non, attends. Non, attends je crois qu'il y a des interférences. Ouais, il y a des grosses interférences. Voilà. Hop. On retourne en in-game. Voilà. Hop. Et normalement, Minecraft se charge. Il est censé se charger. Je sais pas, il a failli me tuer au complet. Oui, bah. Bah, c'est du mal, quoi. Voilà. Moi, les Québécois, ils me tuent quand ils parlent. J'adore leur façon de parler. Pourquoi? Moi j'aime bien leur façon de manger, tu vois, ça donne un jeune. Yes! Arrête! Voilà, Schematica est installé normalement, option, contrôle. En même temps, je lâche des P, donc ça va. Du coup. Ah, bah, d'abord, activer. C'est moi qui l'axe, c'est de. Alors, le mode toute couche, on va activer, on va mettre le plus. Le mode imprimante, on va mettre le moins. Non, on va pas mettre le moins, on va mettre le. Non, on va pas mettre le. Mettre ça, non, on va pas mettre ça, on va mettre le 1. Il est pas intégré, non, en mode d'accord. Charger la schématique, ce sera le 2. Manipuler la schématique, ce sera le. Ah bah non, c'est bon. Mais au pire, tu veux pas, genre, aller au pire, docteur, tu peux faire un truc, c'est genre, toi avec Roll Daddy, tu peux pas, genre, cutter des maisons et les. Re... Mais les quoi là. Genre. Si, on peut cutter des maisons. Si, si, oui, je vais cutter après, y a pas de... Bah, tu veux que je cutte tout de suite. Bah non, il faut d'abord tout déplacer, mais genre Master Blade par exemple, c'est même, il va falloir la dégager et tout parce qu'il se saoule. Bah il faudrait lui demander de. Parce que tu lui demandes de dégager, mais il faudrait qu'il s'en construise une nouvelle, tu vois. Oui, mais pour. Il y en a deux. Salut à toi, si tu. Ah putain, je vais tomber. Salut à toi, si tu es banane, comment vas-tu? Voilà, hop, j'ai chargé 3. Alors, terminé. Hop. Voilà, j'en ai chargé 3. Je vais voir un peu ce que ça fait de l'extérieur. Alors attends. Hop. Je creuse un petit trou autour de. Alors le serveur est bien opérationnel en 1.12.2, vous pouvez rejoindre, il n'y a pas de souci. Hein. Alors les amis, d'ailleurs, si vous voulez rejoindre le serveur. Je pense que tu dois mettre sur les règles du serveur dans la description, comme ça tous les gens ils la lisent et comme ça ils sont pas cons quand ils arrivent. Ouais, enfin, si je mets les règles alors que je suis pas souvent là sur le serveur, tu vois. Les gens ils vont voir des règles alors qu'on est sur un autre jeu, tu vois. Des règles ils vont pas comprendre. Merde, par contre j'ai activé la porte mais j'ai pas eu le temps de la traverser. Le problème c'est quand les gens ils arrivent et qu'ils comprennent. C'est quoi le mode? Ce n'est pas un mode, c'est bien un plugin, hein, vous en faites pas. Quand les gens ils viennent et qu'ils prennent le serveur pour un serveur faction. Oui, c'est vrai, je sais. Il y a un délire. Il n'y a pas moyen de mettre un plugin de protection des blocs, etc. Si, je peux faire ça, mais ça va être super, super galère à faire. Je veux dire, moi je suis tout seul déjà. Bon, je dis déjà, la propriété réservée Master Blade ici, encore, mais tu prends deux places. non, mais il est sérieux, Master Blade, par contre. Il prend trop de place et c'est. Oui, je vois ça. Et bah, tu sais ce que je vais faire, comme je l'ai en ami et qu'il habite au-dessus de chez moi, ce Master Blade en plus. Et ben, on va lui demander. Tu peux passer vocal. Tu peux passer vocal Discord. Tu parles de sa maison? Non, je te parle de. Qu'il habite réellement, c'est vraiment réellement au-dessus de chez moi, tu vois. C'est dans la vraie dans réelle, oui, non. En attente. Oui, non, c'est. Voilà. Je vais demander de passer le vocal Discord, on verra s'il répond ou pas. S'il répond pas, c'est qu'il est occupé. C'est ouvert au crack, non, le serveur n'est malheureusement pas en crack, c'est que de la version premium, les amis. Voilà. Bon, c'est mieux que ça soit comme ça. Oui, moi aussi, je suis d'accord. J'ai reçu ta demande d'ami, Lucky. Doc, je crois que j'ai un petit problème, là. What is the problem? Tu peux te TP à moi? What is the problem? Bah, tu verras bien par toi-même. Mais où es-tu? Moi, je suis au village, t'es où? Bah, je suis dans ma maison, dans ma cave. J'arrive. Et franchement, si t'arrives à me trouver, t'es franchement très fort. Alors. J'ai le droit de chercher, là-bas? C'est pas interdit? Bah, ouais. Tu me vois pas? Déjà, bah. What the fuck?
Je vois ton pseudo. C'est un putain de problème. T'as fait quoi? Mais je sais pas. C'est quoi ce délire? What the fuck? Hey, si tu voulais faire des... C'est quoi le mode où tu marches, ça fait du bruit? Ah, le mode où ça fait du bruit. C'est le mode que tu verras là. C'est Dynamic Sorting Core et Sound Filter. Putain, mais je fais comment maintenant? Tu veux que je te fasse un slash kill ou pas? Non, tu peux pas me taper à toi? Bah, si, je peux te taper à toi. T'es pris? Bah, oui, je suis bugué, je suis dans le sable. Putain, ça continue, mais c'est quoi ce délire? Essaye de faire un décor au pot. Attends, je suis vraiment nager dans le sol. Je suis seul, bizarre. Réveille complètement. Fais un décor au pot du serveur. Bah, attends, c'est drôle parce que je peux nager dans le sol là. Oh. Bah, pour moi, t'es pas dans le sol. Si, moi je le vois dans le sol. What? C'est bizarre, je sais que tu aimes bien nager, mais là c'est un peu le sol, tu vois. Ah ouais, pour toi il nage. Ah ouais, ouais, bah tu le vois sur le live en plus, c'est ça, Pierre. Il est en train de nager, ouais, il nage dans le sol, non. Tranquille, c'est un petit poisson, mais qui a pas d'eau, tu vois. Il nage tranquille dessus, tu vois. Ouais, pour moi non, il est debout. Le poisson qui nage. Wouhou. Je fais ça. Ah, non, d'accord. Ah ouais, non, tu peux même plus utiliser. Ok, bon, déconnecte-toi du serveur. Attends, j'ai une idée, attends. Les élytras, j'y reprends. Est-ce que. Oh, c'est les élytras qui ont fait ça. Bah oui, c'est les élytras qui ont fait ça, je pense, parce que je les ai toujours sur moi, mais bon. Putain, c'est la première fois que je vois un bug pareil. Allez, si j'arrive pas à régler ça, t'es pas dans la merde. Hein. Putain, mais je construis quand même un putain de. De porte 3x3 et j'arrive à tomber sur un glitch comme ça. Ça, faut le faire. Ne fais plus de porte 3x3, tu fais des 2x2 maintenant. MDR, bizarre, yes. T'es tranquille dans le salon. Les gens qui réagissent, ça me live. Bon, enfin, c'est un bug. Ah bah, t'es plus dans le sol, c'est bon. Bah, ce que là, en fait, le problème, c'est qu'à chaque fois que je lance à lancer le serveur, j'ai un petit lag, j'ai un petit à chaque fois que je lance. Je sais pas si c'est normal ou pas. Ah, c'est bon. Yes. Moi, je suis en train de remarquer un truc, mais quand t'es dans le bloc de Slim, ça te fait trembler. Regarde, tu te mets dans le bloc de Slim, tu te mets comme ça, d'accord? Vas-y, regarde là, et tu touches plus rien. Ah oui, effectivement. c'est plus la matinée, il est 15h. Oui, j'ai oublié de modifier le titre, malheureusement. Désolé. Je vais modifier le titre. Alors... C'est lui, il est malade. Je suis très malade, c'est pour ça aussi, il y a une excuse. Alors, là, normalement, la porte... On va modifier le titre. C'est mon ordinateur. J'en ai marre de la nuit, moi. Okay, ma porte, de la vraie nuit ou de la fausse nuit? Non, de la fausse nuit. Alors, moi, j'en ai marre de la vraie nuit. J'en ai marre de recommencer à chaque fois des nouvelles journées. Oui, c'est un peu comme tout le monde, je pense. Mais trop boule de bol. C'est bizarre. Hop. Alors que je n'ai que 20 ans, je me plains déjà de ça. Donc oui, c'est normal. Ah, salut à toi, Kibendo. Comment vas-tu? C'est quoi ton pack? Il est en 1.12. Alors, mon pack est bien en 1.12.2. Alors, attendez, c'est ça le plus classe. On va ressortir. Voilà, hop. Vous allez voir. Alors là, pour l'instant, vous n'avez pas de changement. Alors, slash... On va se permettre une commande pour enlever les monstres aux alentours. Et on va se faire un slash day. Voilà. Non, espèce de moche. Voilà. Alors, regardez, vous voulez voir un truc assez stylé avec le pack de ressources? On va le transformer en shader assez stylé. Je vais très bien, Kimendo. Et toi, comment vas-tu? T'as fait disparaître mes mobs. Ouais, et alors? Punchline, t'es le mec. Bof. T'as cru que tu pouvais me faire mal comme... Qu'est-ce qui se passe? Crazy devient folle et parle toute seule. Ah bah ça c'est crazy, hein. Non mais c'est le squelette. Ah bah maintenant elle parle au squelette. Mais bientôt elle va parler au mur. Elle se fait violer pour tout et n'importe quoi. Elle va parler au mur bientôt. Salut le mur, alors tu voulais m'attaquer? Eh ben non, raté. Voilà, alors, voilà le shader. Là c'est beaucoup plus stylé franchement. Avec le shader. J'entends les zombies de sable là. Regardez sur le live, dites-moi ce que vous en pensez, putain. C'est grave, c'est... Il fait peur. Le shader, ta gueule, il fait beau. C'était quoi ça? C'est le shader ou le squelette qui fait peur là? Le zombie.
Attends, je vais voir ça. Franchement, hey, c'est magnifique. Toi, parce que YouTube ne répond pas, d'accord. Merci. Yot, salut à toi, Londer Z, comment vas-tu? C'est stylé, mais c'est quoi ton pack? Ah, vous voulez mon pack style, mais quelques fruits. Oui, non, mais les quelques fruits, c'est normal. Hein. C'est YouTube qui les retransmet parce que, bon, il faut se dire aussi qu'on est en live. Hein. Alors, le pack de ressources, bah, comme vous pouvez voir, alors, à part celui-là, le Metroidvania, les ressources pack, c'est Realistico, donc pour avoir un truc assez stylé, et vous avez le Natural Realisme, qui est super. Realistico, il est pas payé, normalement. Et je l'ai payé, moi. Et voilà. Et je pourrais te la poster si tu veux la version premium. Je te passerai la version premium, y a pas de souci. Mais non, franchement, voilà, c'est grave. Je crois que j'ai cassé ma souris. Je vais tranquille, Londres. Ça TARDIS et Games. Merde. Ça, je sais pas écrire TARDIS. Ah bah bravo. J'ai trop spam la souris, je crois que j'ai cassé. Non, vous savez ce qu'on va faire, on va rentrer, moi je vais juste rajouter un nom, voilà. Alors hop, on va faire les coordonnées. Je crois que ma porte, elle est un truc trop bas, ma porte. Je trouve que j'ai... Aïe, mais salaud. Alors les amis, sur le live, vous allez voir un truc que les gens n'ont pas encore accès sur le serveur. Le gaz, quoi. Je leur ai dit aux gens... Ah, non, non, Mimi, hop. Ah, moi j'y suis déjà allé. Allez, Play Game, je veux voir ce qu'il y a. Je veux voir la nouveauté. Le... C'est pas le donjon, je sais pas trop quoi. Et attends. Je suis allé avec Alex. Voilà. Alors, d'accord, je charge le point. Oui, je savais que c'était toi qui en avait un peu de soucis, t'en veux pas. J'ai pas oublié ton pseudo. Voilà. Oui, non, c'est la maison des bois dans le bois en fait. Ah oui, d'accord. Oui, il y a une Stargate, mais comme je vous ai dit, mais il y a des coordonnées, et c'est à vous de chercher les coordonnées. C'est... Moi, j'y suis allé. Hein. Moi, je sais. Une structure de poulet. Je sais que t'es déjà allé. C'est... Et Alex, il a fait une crise, genre... C'est moi ça, la moyenne. Il me fait toujours une crise. C'est vrai que le réaliste, il est sympa, comme. Ouais, il est super. Mais regarde, et surtout, regarde, le réaliste, là, attends, là, on peut pas le voir, mais ce serait plus dehors qu'on le verrait. Quand tu vises un bloc, alors c'est avec le shader aussi que ça le fait, mais quand tu vises un bloc, en gros, ça te floute tout aux alentours, tu vois. Et c'est comme le Realistico, c'est une version réaliste. Et bah, ça te, c'est vraiment génial. Là, regardez, je floute les gemmes. Ah oui, c'est grave. Ouais. Il t'a coûté combien de Realistico? Le Realistico, je crois que j'ai payé 4 euros en tout, et j'ai 3 ou 4 packs dessus en plus. Et en plus, c'est bien parce que hop, voilà. Bon, j'ai un problème, c'est que ma porte elle est trop grosse et elle va dépasser de la maison. C'est très moche. Ah ouais, il est trop stylé ton pack. Je me demande qu'est-ce qu'on fait des beaux gens en désert des fois. Hein. Oui, le plugin Stargate est vraiment classe. Mais non, mais il est en train de tuer le machin. Machin. Voilà, on est chez moi du coup, on va aller... Et on va... On va faire... Alors du coup, je peux la construire où la maison du coup? Bon, je sais pas trop encore. On va me dire ça du coup, que je puisse voir un peu où est-ce que je pourrais l'installer déjà. Grâce au schématique. Ouais, attends. Au pire, y a pas un petit peu de place encore disponible dans les... Comme ça, après, plus tard, je m'amuserai à enlever vos constructions, le reste des constructions, que vous voulez que j'en reviens. Alors, je sais peut-être pour où tu pourrais la faire, à la place du champ là-bas. Vas-y, je suis là. Alors, où est-ce que tu veux que. À la place du champ ou à côté du champ? Ah, la place, tu peux enlever le champ parce que le champ, je sais pas si tu vois, mais il est dégueulasse. Eh ben, on va l'enlever tout de suite. On va passer en GM1 vite fait. Hop, on va prendre la hache en bois. Mais non, arrête, ça donne. Oui, moi je sais l'utiliser comparé à toi. Oui. Et tu sais que je suis capable de faire des gros trous. Oui, non, mais c'est pour ça que je pense que je vais la bloquer pour éviter qu'il y ait d'autres. Non, mais j'en ai pas fait. GM0, voilà. Donc, du coup, je peux la construire ici, du coup? Ouais, tu veux construire ta maison ici. Ok, bon, alors. De toute façon, la grosse là va dégager la grosse ici, on va faire une place centrale. Alors, voyons voir un peu. Alors là, je vais faire un truc. Ah oui, ça charge. Quelle grosse. Je crois que mon shader fait bugger ça. Ah, il fait bugger. Oh, j'ai envie de voir la maison. Oh putain, la vache, oui. Oh, sur ton live, ça fait un... Oh, ça va dire sur ton live. Hein. Oh la vache, les textures. Oh, c'est le chaleur qui fait ça ou. Bah, c'est peut-être ton pack de textures. Parce que c'était pas dit l'autre jour, j'étais dans le Mesa l'autre jour. Et en gros, avec mes élytras, j'ai.
et j'ai eu des gros bugs de texture, genre j'ai vu plein de tableaux s'afficher avec comment ça s'appelle avec tous les items du jeu dessus. Ouais, non, je pense que c'est mon shader qui fait ça, les amis. On va devoir retirer le shader, voilà, pour l'instant. Mais j'ai pas compris, ton pack de texture, tu l'as payé ? Ouais, je l'ai payé 4 euros. 4 euros ? Ouais. Ouais, 4 euros pour un pack de texture, ça fait quand même mal au cul. Hein. Ça dépend. Bon, en vrai, il est ultra stylé. Il est stylé, mais ça fait mal au cul quand même de payer pour un pack de texture. Ouais, j'arrive pas à le mettre. Les mecs, ils sont chiés pour faire un truc réaliste aussi. Donc, ouais, c'est vrai, après. On donc paye bien va. Pour des skins sur Fortnite. Hein. Je suis désolé, oui, voilà. Oui, là, c'est vrai que t'es amateur sur ce coup. Voilà. Oh, intelligent. Je suis désolé, mais bon, bon, parce que voilà. Alors, est-ce qu'on va, si je le fais apparaître, est-ce que ça va bugger ou pas ? Après, je dis pas contre, non, là, pas contre les personnes qui le font. Alors, attends, le problème, je vais juste me mettre en slash fly. Alors, la maison est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop grande. Déchargée. On va en faire spawner l'autre. Ça sert à quoi les blazes Doc, je crois que ta maison, tu peux la décaler de ta maison. Genre oui, prendre... je sais, mais il faut déjà que je la trouve dans une bonne position. Mais t'as vu les maisons, que j'ai trouvées, mais elles sont trop grandes. Mais tu vas me gâcher la vue. Appuie sur moi, je crois que avec moi, tu peux la décaler de ta maison et choisir la position. Oui, non, mais je sais, mais elles sont trop grandes. Non, mais même, t'as vu, même en la décalant, elles sont beaucoup trop grandes. Sur Minecraft France, ça me donne le lien du pack de Natural Realism, mais ils disent que le lien n'existe pas. Il faut que tu le cherches ailleurs, de temps en temps, ça peut arriver. Ce genre de truc. Alors, j'ai la médiévale, la dernière, je sais pas ce qu'elle vaut. Oh, celle-là, elle est stylée. Bon, il y a les blocs de terre après, bon, ça, c'est pas grave, si je l'enfonce un peu dans le sol, pas de soucis. Oh. Mais cette maison-là est grave stylée. Oui. Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? En plus, elle fait bien médiéval en plus. Oui, elle est sympa. Mais c'est pas de la laine, ça. Non, alors attendez, on va juste la déplacer maintenant. Bon, j'espère que c'est de la 1.12 parce que du terracotta, t'es baisé. Hein. hop là. Ta ronde casse un arrêt tellement horrible sur les lives sans se demander. C'est toi. J'ai un rire horrible tout le temps. Il n'y a pas de soucis, Studio Banane. Alors. Putain, il faut une pelle, j'ai pas de pelle en diams. Putain, fais chier, il faut que je trouve une pelle. Alors attendez, on va encore. Je vais encore la décaler. Alors c'est pas grave si elle dépasse du mur ou pas, si elle déplace l'emplacement où il y avait le mur. Bah, c'était vos emplacements à la base, hein, c'est vous les modos. C'est pas nous. Ah mais c'est pas ton voyage. Oh non, je deg. La porte est trop grande. Ouais, je pense que ça devrait le faire comme ça. Ouais, franchement, ça va le faire. Putain, ma porte est trop grande, je suis dégoûté. Bonjour. C'est une question, Doc, est-ce que t'as moyen de déplacer ma porte ? Attends deux secondes. Est-ce que j'ai moyen de quoi, Didi ? De genre, est-ce que t'as moyen de déplacer genre tout un système de redstone, genre le déplacer vers le bas ? Parce que genre j'ai c'est trop compliqué ce que tu me demandes. Attends, quel système ? Attends, je vais venir. Déjà. Oh, j'ai failli mourir, mais ça va. Alors. C'est quoi le problème ? Le problème, c'est que ça, en fait, ça sort. Il n'y a pas moyen que tu utilises schématicard ? Mais tu peux utiliser un schématicard, mais là, le problème, c'est que c'est trop gros, là, c'est que ça sort. Ça sort un peu, mais après, sinon, tu fais. Comment dire ? Tu peux te permettre, en gros, en haut, de faire un petit truc, genre de sorte de terre assez sympa, tu vois. Si t'arrives à faire un truc sympa, tu vois, tu peux forcément cacher le truc. Ça se verra pas. Alors, attends, un jour, quand j'aurai Minecraft Premium, c'est-à-dire à 18 ans, je pourrai jouer avec toi, mais on pourrait, il n'y a pas de souci, les amis, il n'y a pas de souci. Et c'est pas prêt d'arriver, vu que j'ai que 12 ans. Oh. Et t'as pas forcément besoin d'avoir 12 ans, enfin, d'avoir 18 ans pour Minecraft, hein. Non. On va se cotiser pour lui acheter un compte. Stuck. Ah, tu sais que tu me fais de la peine, la Studio Banane. Sale Pierre. Moi je dis, si un jour je gagne un gros de Minecraft, je lui offre. Parce que voilà, je suis quelqu'un de petit, pas comme Cassandra, n'est-ce pas ? Dit-il. dit-il de quoi ? Non, moi je vais lui faire un compte. Alors tu vois, Studio Banane, tu m'as tellement compris. Non, Studio, tu me touches tellement. À la fin du mois, je te fais gagner un compte Minecraft. Voilà. Oh, ça c'est gentil, franchement quelqu'un qui s'occupe des abonnés. Beau ça. Je te fais gagner un compte Minecraft, tu pourras me rejoindre. C'est mignon. Voilà. Au moins lui il est gentil. Moi j'ai d'autres choses à payer. Hein. C'est bizarre. Genre ta cocaïne.
Je vais zapper ça. Hein, Cassandra, on la connaît tous, hein, la petite poudre blanche que t'as dans le nez. N'importe quoi. Bah, quand tu rigoles, tu caches, Cassandra. Ta gueule, oui. T'assumes pas, Cass? J'assume pas ce qui est pas vrai. Non, t'assumes pas ce qui est vrai, Cass. J'ai pas envie de me faire chier à la construire. Je vais la faire en créatif, toi. Tu sais, c'est nous c'est fichier à faire nos maisons, mais là, t'as des doigts qui se... Alors, tout, non. Alors, couche 1, 2, 3. Elle est tellement grande. Je vais être qui... De quoi qui est grand? J'ai mon système Redstone qui est un peu trop grand. Je réfléchis. Putain, il faut que je déplace tout le système, en gros. En gros, je suis en train de me faire chier à le finir, pour rien. De toute façon, ouais, au pire, il est trop gros. Jusqu'à où ta maison, Doc? Ça va, là, je suis en train de régler ça, justement. Juste ici. Mmh. Parce que je pense que cette maison, elle est tellement dégueulasse qu'on voit. Quelle maison? Je sais pas à qui elle est, mais... Quand j'aurai le droit au don, je t'en ferai plein. Bah, y'a pas de soucis, c'est pas plaisir. Bah, tiens, j'ai une idée, il est où? Alors, est-ce que ça marche? Attends, je règle un truc. Quelle maison qui est moche? Celle-ci. C'est à qui? C'est celle de Black. Et qui est ce bordel? C'est qui? Mais Black? C'est celle de Black. Ah bon? Ok. Non, je pensais que... Parce que je me suis dit, on aurait pu l'enlever pour faire l'église. T'es méchant. Mais je suis pas méchant. Même il est même... Juste réaliste. Mais t'enlèves celle de Master, toute manière. Non. Mais non, mais celle de... On va pas faire l'église de la... Ou là, on peut la faire ici, l'église, mais... C'est ce que je viens de te dire, mais c'est pas grave. Ah, mais ça, c'est un master, ça aussi? Putain, mais oui. Il a speed ou comment ça s'appelle, le squelette? Ah, bah, le speed, comme pas possible. Comme dans la vraie vie, il est speed aussi. Raison de master, ne pas détruire Marcy. Ok, je vais la détruire. Yes. Non, mais il a dit qu'il fallait pas la détruire. Alors, putain, c'était mon redstone, je suis niqué, la porte est trop grande. Non, mais elle est éclatée, sa maison. Je sais pas si on l'enlève. Bon, de toute façon, c'est pas moi qui décide. C'est moi, chef. Ah bah si, Blizzard, yes. C'est toi le chef. Je sais que non, c'est moi le chef. Non, mais c'est Je fais croire à ma mère que je travaillais pour... Alors, attends, je fais croire à ma mère que je travaillais pour regarder ton live. Ah, les devoirs. Les fameux devoirs. Ça marche pas tous les coups, par contre, ce genre de système-là. Pourquoi ma porte, c'est un délire, ma porte. Ma porte, ça marche pas, maintenant. Au calme, docteur. De quoi? Comment ça construit? Ah oui, c'est un carnage, ta porte. Ah oui, c'est un carnage, oui. Pourquoi tu l'as placé ici, ta porte? Parce que je voulais faire un trou pour aller faire le slime de... slime, bon, ça sert à rien. Je vais devoir tout l'enlever. T'as pas ma puissance diable, c'est sur toi? Tiens. Parce que là, ça va être un petit peu long de tout péter. Ah oui, c'est pour... Le truc, ouais, c'est juste ouais. Space. Pour aller au chain cancer, ok. Ouais, c'est pour aller au chain cancer, mais le problème, c'est que... Allez. Bah, il est mal placé. Ouais. Oui, elle s'est mal placée. Mais non, il n'y a même pas que ça. Pourquoi tu l'as placé ici? Et parce que je voulais la placer ici, parce que là j'avais un truc dans le mur. Donc... Non, mais en fait, c'est surtout qu'elle est trop près des coffres. Genre. Ça, ouais. C'est ça le problème. Et de toute façon, elle ne marchait pas. Ok. Quelqu'un, Doug Esteban, si tu te touches sur toi. Elle est dans ma base, bah, compose l'adresse 1357. Tiens. 1, 3, 5, 7. On échange des pioches. Ouais, je sais pas si tu auras accès par contre. Parce que le truc c'est qu'il faut récupérer la stone pour leur faire. Bah attends, t'es où? Non, mais c'est bon, forcément, il m'en a fait une. Ah, t'en as fait une. Hop là. Il y a toujours autant de monde, il y a toujours Néosia et tout. Oui, attends, il n'y a plus que Muick.
peux rendre Mimi, elle est toute seule. La pauvre. Mais c'est toi, tu l'as pas invoqué avec toi. Pardon. Ah ouais, tout à l'heure elle est venue et tout à l'heure. Non, pas tout le monde va se ramener. Mais je parlais pas tout le monde, Mimi elle est pas considérée comme tout le monde. Bon. Ah bah je crois que c'est Cass qui est parti. Ouais. Alors, j'en ai vu. Non mais elle est avec Black donc tant pis. Là tu fais. Ça pose automatiquement ? Ouais, ça pose automatiquement. Ouais. C'est qui est bien. Et utiliser le printer, j'aime bien parce qu'on a pas un nouveau printer moi. Non mais tout, c'est pour le printer. Salut, toi, printer. Je peux y aller, je reviens tout à l'heure. Au revoir, je continue comme ça, je t'attends. Mais pas de soucis, je te reviens simplement, c'est du bien. C'est pris. T'as détruit. J'ai fait un giga trou dans ma maison. Ah, détruisez pas les pistons, je sais même pas à quoi ils servent donc. C'est pour la cuisine, sûrement. Oh, j'en ai aucune. Non, mais il est trop rapide, là. Alors là, je fais couche par couche. Attends. Non, je voulais le... Tu voulais le... d'accord. Mais qui t'es bizarre. Le squelette. Ouais, c'est vrai qu'on a l'habitude avec Lazy. Mais c'est Lazy, quoi. Mais non, mais je voulais... Non, t'es bizarre. Avec Lazy, on sait tous que t'aimes tout. Bon. Mais n'importe quoi, je voulais le tuer. Arrête de mentir, Kézy. On le connaît maintenant. Toi, biscuit. Arrête. Non, Hop là, hop, je ferme le. Ma dame sur le toit, tout va bien. Oh. Là. Il a plus fait flamme ou pas si. Ah t'as vu c'est tout en train de cacher le paysage hein. Oh c'est... C'était tellement violent. J'ai envie de dire ta maison, j'aime trop. Qu'est-ce que j'entends faire? Je suis pas de la merde. J'entends recréer Crazy, putain la vache. Faire semblant de construire. Oh, c'est putain. Vraiment méchant. Slash butcher. Hop, dégage le monstre. Oh non, c'est une blague, j'ai fait du 3 dalles. Vas-y, chier. Une québécoise qui était mochée, c'est pas courant. Chier. Oh putain, my god, j'ai fait une cascade. T'es là, va pouvoir te dire chier, ouais. Yes. Exact. Bon, c'est très bien tout le monde d'avoir le live du doc à côté de nos autres. Allez, on écoute, tu vois. Ça. On l'a vu. Même si je sais que mon live est beaucoup mieux. Alors, du coup. Incroyable. T'as quelque chose, moi ? Ouais. Tu dis de la merde. Comme d'hab. Dia de la casse, c'est fort. Quand même. Tais-toi, c'est bon. En fait, c'est ça tes règles, t'as mal au ventre. Putain, donc c'était pas violent. Oh la vache! Eh, mais c'est un délire le printer. Mais oui, c'est éclaté. La maison, elle se construit vite. Putain, la vache! Elle est belle la baraque. C'est trop chité. Mais c'est trop chité le printer. Oh la vache, je comprends pourquoi t'as de l'interdit. Bah oui, à ton avis. Alors, on passe la case. En même pas une heure, tu construis toute ta maison, quoi. Et t'es même pas là, il est en 10 minutes, il a fini sa maison. Ah, ouais, ok. Là, je me dis des courses parce que j'ai pas de bouffe. Au calme, docteur. Very calm. Oh la vache. Bon, t'as pas d'escalier pour moi. T'as un bloc de boulot, là, y'a rien à faire. Bah, j'ai pas encore fini, hein. Je sais même pas à quoi il sert. Il y a du bois, ça, c'est n'importe quoi. J'ai tellement envie d'utiliser mon épée sur Crazy, moi ça me délire. Pourquoi ? Je sais pas, j'ai une haine contre toi. J'ai une petite haine cachée. Non. Pourquoi t'essaies de me pêcher ? Parce que t'as un ton, lol. C'est vraiment le bâtard, ce c'est vraiment... Il est vraiment réaliste, ce mec. Hein, quoi ? J'étais obligé, Crazy, tu m'as tendu la perche c'est en même bon, temps. C'est bon, c'est bon. Wow, Starfly, il dit schématique. Ah eh oui, complètement. Complètement, j'utilise.
Mais là, c'était pour construire ma maison en médiéval, tu vois. Comme je suis un petit peu une sous-merde en construction, vous avez ça, la référence là-dedans. Alors, du coup. Je vais manger un grec. Un bon grec. Oh, j'ai trop de canapé. Calme le donne pour lui, s'il te plaît. Je l'ai mangé un hier, c'est bon, ça me redonne envie. Tu penses qu'il y a des systèmes en redstone de Symmetica parce que j'ai la flemme de regarder des tutos. Oui, il y a des systèmes de redstone de Symmetica. Oh, bah, je pense. Alors, Crazy, tu sais que. Enlève ton sneak, Crazy. Crazy. Petit. Putain, je la voyais sur ma minimap tout à l'heure. Mais ça, c'était avant. Non, mais c'est mon sneak, je la vois plus maintenant. Franchement, elle est stylée pour l'instant, les maisons. En vrai, la tour de mage est sympa parce qu'on peut monter et l'utiliser comme point de départ pour les élytres. Ah bon. Du coup, Blizzard, comment on fait pour l'église dans la maison? Bah, je pense qu'on va raser l'espèce de maison dégueulasse là. On fera là l'église. On fera genre place principale avec l'église en plein milieu. Hein. Mais oui, mais c'est. Elle m'a dit qu'il fallait. Bon, on s'en fout, c'est moi le chef du village. Elle a cru qu'elle était qui. D'ailleurs, par contre, Doc, c'est normal qu'il manque des blocs, même avec le printer. Ah oui, c'est normal. Parce qu'il n'avait pas les blocs dans la main, non? Non, c'est juste qu'en fait, le printer fait ce qu'il peut de son côté. Putain, mais ça construit une vitesse, par contre, ça fait laguer le serveur. Le serveur est live ou... Je sais pas, moi, ça fait laguer quand je tourne la vache, c'est un délire comment tu pousses ça. Sur mon live, tu parles? Non, c'est moi sur mon jeu. J'ai jamais vu quelqu'un build comme ça, genre couche par couche. Sans que tu mines rapidement, dis donc, complètement. Alors attends, est-ce que j'ai raté? Non, j'ai juste dit que c'était un black. Oui, mais tu m'as dit que j'étais méchant avec sa maison. Alors qu'elle... Non, demain, qu'il y a un trou, Doc. Non, ça doit être une rame, il faudra juste la remettre, c'est pas grave. Et le printer, c'est graphite, hein, franchement. Il me paraît, tu peux tout printer d'un coup. Non, ça a pas l'air de fonctionner comme ça. Je peux pas tout faire d'un coup. Ah, puis je pense que ça ferait lag le serveur aussi, c'est pas la peine. Oui, je pense aussi, si tu fais un gros machin, ça fait pouf d'un coup, tout c'est un gros bâtiment qui spawn. Hein. Voilà, Crazy, il y aura pas de manque de coffres, hein. Il y en a des coffres. Ouais, je fais un système de four automatique. Hein. J'ai l'impression que ton micro, Doc, il est différent quand t'as un vocal sur Discord avec nous et que sur ton live. Voilà, oui, c'est normal. Que je crois que c'est qualité. D'ailleurs, c'est bizarre, des fois, j'entends des bruits de porte, des gros bruits de porte dégueulasses. C'est chez moi, parce que moi, je vis pas tout seul, hein, malheureusement. Hmm. Encore heureusement que je vis pas avec Crazy, ça serait bien. Yes, je te comprends. Mais vous êtes des bâtards, vous avez que de la crèche. Non, mais c'est parce qu'au fond de nous, on l'aime, Crazy. On l'aime bien, Crazy. On sait, c'est très bien. J'ai envie de faire un système de four immense, mais vraiment immense. Mais le problème, c'est que j'ai pas la place. Dès que je... C'est une femme. Ça sert à rien d'en faire un immense. Tu fais. Ça sert à rien d'en faire un immense. Ouais, mais je pense qu'en fait, ce que je veux prendre, c'est que je prends toute la faille et faire un grand laboratoire là-dedans. Bref, j'en ai marre de faire de la redstone pour aujourd'hui. Je fais une pause. Je vais aller pêcher. C'est quand la pause pour manger? C'est ça que j'ai pas mangé moi aujourd'hui. Et mes docs, c'est un délire par contre. Par contre, c'est moi, elle est pas. En fait, elle est pas si médiévale que ça, ta maison. Non, c'est que du médiéval que j'ai pris. Non, mais en fait, elle est pas finie encore. Bah, tiens, elle est pas trop. Bah, là, elle est pas finie voit, encore, mais tu vas voir le dessus après. Déjà, elle est pas dans le thème, tu la supprimes. Mais c'est pas pour toi que j'ai mis à construire la maison. Hein, quoi ouais. Elle est pas finie encore, elle est pas finie, elle est encore un toit. Hein. Là, on n'a pas de toit, là, encore un étage à faire, il y a encore plein de trucs à faire. Moi non plus, j'ai pas de toit encore. T'as vu, même pas fini. Tu vois, il y a beaucoup de choses. Tu vois, je suis fatigué déjà à force de faire tout ça, déjà, tu vois, c'est.
Attends, mais t'as vu ce que j'ai fait, moi? Ah, mais tu vois ce que je fais, moi, là, mon côté, on en parle. Quand tu vois Whisky galère, lui, à faire ses fondations, et quand tu vois deux qui te cassent à l'oiseau. Oui, parce que moi, je peux pas fly, je suis obligé de faire des tours. Tout le bordel, je fais que de tomber. Oh, c'est un... Pour entendre Doc, c'est un délire, la vitesse avec les gants sur sa maison. Il y a un bâtiment, il apparaît de nulle part comme ça. Les gens, quand ils vont arriver, ça sera... Crazy, il est pas fou, je crois que Crazy, c'est une fille. Juste t'avertir, machin, chouette. Vous avez pas une série Netflix à me conseiller? Netflix, franchement, non, je... Doctor Who. Allez, hop. Moi, je peux te conseiller que à ma façon, c'est tout. Après le reste. Si, après il y a Stranger Things aussi. La maison de papier. Mais bon, c'est du vu et revu. Une fille. Ah bah oui, c'est une fille. Et non un garçon. Tu risques de la vexer après. Elle vexe toujours pas envie pour un. En même temps. Hein. D'ailleurs, après, comment dire, oui, c'est déjà d'aller vite fait optimiser le spawner parce que. Je finis ma maison. Moi aussi, je finis ma maison. Attends, j'arrive. Ouais. J'ai à combien d'étages, mais. Oh, avec 42 étages, sa baraque. Ah, mais elle est stylée, franchement. Tu sais que moi, il y a encore un étage, hein, j'ai toujours pas fini. D'accord, avec ma maison, moi, elle fait toute petite à côté. Genre, je suis comme le chef du village, j'ai la plus petite des maisons. Moi, je veux qu'elle soit plus grande que la sienne parce que sinon, je me fais petite. En fait, le truc, c'est que moi, toute ma maison, tu vas résider dans la cave. Il y aura une grosse cave et ce sera là-dedans qu'il y aura tout. Genre, en fait, ma maison, moi, dedans, ça sert à rien, c'est genre juste une déco. Putain, la pêche, c'est passionnant. Bah, tout le monde a vu tout ça, ouais, c'est sûr. Putain, j'aimerais bien si je peux du mending pour lui filer un livre à où. Ça lui est toujours pas venir, lui. D'ailleurs, c'est normal, toi, qu'on ait plus accès au slash money. Oui, c'est normal, je l'ai retiré le plugin parce qu'il y avait un bug dans le plugin. Du coup, j'ai dû le retirer et je vais en mettre un autre. Non, mais moi, je gagne plus d'argent pendant. Non, mais de toute façon, il n'y a rien à gagner de toute façon pour l'instant. Vraiment. D'ailleurs, c'est à quand les ventes? À quand les ventes? Pas pour l'instant, il faudrait que j'en parle avec Alex, mais d'ici rapidement, enfin. De toute façon, là, c'est bientôt les grandes vacances, de toute façon, si je dis pas de conneries. Quoi avec les bambous, Léa? C'est bien, c'est déjà les grandes vacances. Crazy, elle a un autre dans la main, elle est en train de se frotter avec les bambous, d'accord. Crazy. Ok. C'est bizarre. Ah, c'est un spoiler. Yes. Attends, hop là, poisson. Qui veut une selle ici? J'espère que personne n'a entendu ce que j'ai fait. Il y a un mec qui m'a agressé à l'école, je veux juste le balancer dans un trou noir pour qu'il ne revienne plus. Non, t'en veux pas, il y a plein de façons pour. Voilà, c'est avec les déconcertants sous la chose. Tu sais, je peux respirer sous l'eau et marcher sous l'eau. En vrai, elle est pas médiévale. Tu elle est médiévale. Attends, deux secondes, j'ai pas fini. Est-ce qu'elle est finie ou pas? Non, ouais, c'est plus western qu'autre chose. Ouais. Bon, western, bon, j'ai marqué médiéval, j'ai trouvé ça alors. Hein. Oh, fait chier. Je constate seulement, hein. J'ai rien d'autre. Bah, constate et dis plus rien, s'il te plaît. Voilà, moi, elle est finie maintenant. Ben, c'est bon. Elle est finie? Ouais, elle est finie. J'ai pas visité encore l'intérieur. Putain, mec, c'est. Elle est pas si médiévale que ça. Oh, tu fais chier, hein, toi. Bon. J'ai fait ce que je pouvais. Oh, c'est... Il manque plein de blocs en plus. Ah non, c'est tout. Non, c'est tout ce qu'il y avait. Il y a un mec qui a plein de trous dedans. Ouais, il y a des trous là. Ah oui, il y a des trous. On va réparer ça, ça se voit pas. Il y a encore un étage. Ah oui, il y a vraiment des trous, mais putain, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette maison de merde? Je vais prendre mon bah, c'est la maison où tu vas habiter, tu me fais pas chier. Hein? Quoi? Oh. On reste même pas dans le thème, on va rien dire parce que bah, c'est de. Mais c'est pas du médiéval. Je vais pas m'amuser à la détruire, à la refaire quand même.
Non, c'est pas du Medieval, on est d'accord. Oui. Eh bah, Si vous n'êtes pas content, vous la détruisez. Vas-y, on va la détruire, tu viens, on la détruit bizarre. Allez. Oh putain. Ça nous fait des matos gratuits. Allez, let's go. Vous êtes sérieux, vous allez la détruire? Non, mais ouais, excuse que ça rentre pas dans le thème, tu vois, ça fait tâche dans le. Mais en une alors! Mais au pire, t'as pas une automatique avec une plus ou moins. Non, je m'amuse pas à la refaire, je m'amuse tout de suite. C'est bon, ça n'a pris même pas de. Non, alors vous savez ce qu'on va faire? Les gens sur YouTube, qu'est-ce que vous en pensez à la maison? Est-ce que vous voulez que je la garde? Est-ce que vous voulez que je l'enlève? Ouais, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, je suis. De quoi? Elle est pas belle, elle est toute rose. Ta gueule, toi, c'est bon, ta gueule. Elle est pas moche. De toute façon, alors. Hein. C'est bon. Sinon, t'as qu'à habiter au spawn, il y aura de la place là-bas. Non, mais pourquoi il y a du bois différent? Comme si c'était moi qui choisissais ce que je faisais. Et puis, je suis désolé de vous dire ça, mais ça, c'est une maison médiévale. Hein. Rien à dire. Hein. Ouais. Ok. Non. D'accord, alors, vous faites chier déjà, pour commencer. Je vais me poser de la cobble dans le petit coffre. Alors, ok, donc vous voulez pas, donc je la garde pour cette maison, village, d'accord. Il faut que vous la déclenche. Ah, ok, donc du coup, je la garde pas cette maison, on est d'accord. On est d'accord que tu la dégages. Ouais, mais... Doc, c'est pas comme si tu en avais eu pour longtemps, elle va faire ta maison. Enfin, tu vas aller la faire, la maison, alors. Bon, bah j'ai une idée, on va faire un système d'égout sous la ville, et on va brûler les SDF dedans. Voilà, slash cut. What? Mais t'inquiète même les. Tu m'as demandé de la détruire, je te la détruis. Voilà. J'ai cru que t'avais coupé ma maison en même temps. Mais... Du coup, vous allez m'en construire une maintenant. Alors, Wiz, je sais pas si t'as de l'inspi, Wiz. La copie. Bah, j'ai de l'inspi, mais faut que je finisse la mienne. Parce que ouais, j'ai clairement la flemme sur ma maison. Non, moi aussi, déjà, je fais la mienne. c'est qui a l'idée de que je devais la détruire? Moi. Tu sais que c'est con parce que tu l'as copié, donc tu peux pas coller. J'ai trouvé un schématique, docteur. Juste à poser ton printer et basta. Alors, bizarre, tu sais ce que tu vas faire? Là, t'as le schématique ou pas sur toi là? Non, moi j'étais pas schématique. Non. Vous faites phénomène, va chier, réellement, vous faites chier. Bah, au pire, alors, Doc, si tu veux un chemin de ticket, c'est qu'il faut que tu passes en créatif, hein, parce que je passe en retour les matériaux pour. Non, mais franchement, je l'aime bien la maison, moi, comme ça. Ou alors, on la modifie, sinon. Ah, le problème, c'est que là, tout est modifié. Au pire, Doc, je te dis, hein, tu me passes vite fait en créatif, je te mets un chemin de ticket et basta. Non. De toute façon, vous avez rien à craindre avec moi, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, j'ai déjà tout. Si tu fais ça avec Alex Lafont, t'es mort. Non, mais le problème, c'est qu'Alex, il est pas connecté. Et... Va lui prévenir quand il est pas connecté. De toute façon, moi, je suis sur la surveillance, de toute façon. Donc, Comment, docteur, il se fait mener par les gens? Non, mais je vais t'installer sur ma ticket. Bah. C'est pas moi qui me fais défoncer le cul tous les soirs. Hein. C'est toi. Non, je t'emmerde. Bon, du coup, je le supprime, du coup, et vous en refoncez une nouvelle, du coup. Moi, sinon, il faut que tu fais donner ces matériaux. Je vais installer un schématica, je faut que normalement, t'as les 10 matériaux. Est-ce que t'as schématica, au moins? Bah, je peux aller l'installer en deux spies, je crois que... D'accord. Eh ben, on va faire ça, sinon. Merde, j'ai fait un slash 2, slash 4. Voilà. Hop, là, je vais rendre ma cave. Hop, là. J'ai étudié un schématica. Je viens de trouver une belle maison et tout. Ah, vas-y, je te laisse installer schématica, je te laisse trouver une maison et dès que tu auras fait ça, je te mettrai vite fait en G. Alors, par contre, tu te vides ton stuff. Hein. Oui, ce que je viens de faire, ça va être une question de faire. Hop là. Voilà, et j'expliquerai au cas où Alex, il comprendra. De toute façon, je suis sous la surveillance, donc il n'y a pas de soucis. Si je vois qu'il y a le moindre bêtise, ce sera un slash ban. Oui, de toute façon, il n'y a rien à craindre. Non, relativité dimensionnelle, tout se passe. Ouais, ok, Sammy Potter, on n'est pas dans Doctor Who là, on est dans Minecraft. Hein. Je suis juste comme ça, hein, mais bon. De toute façon, au pire, tu crois vraiment que. Merde, ce que je veux dire. Regarde sur Discord. Tu crois vraiment que je sais pas me faire ban là. Doctor Raid, oh. Mais c'est pas une maison, mais non. Ah, je sais pas, envoie-lui à Blizzard, directement. Si ça, c'est pas une maison, mais je sais pas. Ah bah là tu vois ça avec Blizzard. Hein. Bah vraiment un screen le cast. Biscuit.
Oh, une tasse de thé. Je veux des biscuits. Et moi, je voudrais plus être malade. Je me suis dit, je vais lancer un schématique et basta. Je vais faire un basta. Alors, non. Moi, j'ai resté un petit schématique de spi sur le truc. Elle est grosse, hein, la maison ? Bah oui, c'est le problème, c'est que je pense que c'est trop grosse. Deux secondes, je reviens à la j'arrive. Schématique 1.12.2. Qu'est-ce que je ferais pas pour, un, pour une personne que j'aime ? Oh, t'as vu, t'as quelqu'un pour toi, sort. Mignon. Moi je dis, je suis quand même vachement gentil pour le doc. Mais après, c'est ce qu'il aime bien Doctor Who, donc tu vois les gens qui aiment bien Doctor Who. Ah, moi j'aime pas. Bah, je te respecte pas. Ah. Alors. Espèce de 2003. Tu veux te calmer, espèce de 2003, là. Alors. Ouf, quelle méchanceté. Yes. Du coup, cette merde. Alors. Bon, faut trouver le disque là. Disque local C. Putain, mais... Disque local C, c'est où cette partie, cette... alors. Dossier de Minecraft. Hop. Ouais. Ah, je vois où c'est que t'es. Ouais. Ouais. Enregistrer Schematica. Donc là, j'installe Schematica. On attend le Lunatrius Core. C'est bien le jeu. Donc il faut que je sois un schématique pour le bloc. Schématique. Et Val. Bah, elle a l'air sympa comme maison celle-là. Il va te sortir une petite merde en bas. Non, 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 ouais, je sors une bonne maison. Alors, le pack. Alors, j'ai un pack carrément schématique. Multi-MC. Instance. Un pack ou Minecraft. Ah, il faut que je lance Minecraft pour que le schématique s'installe. Ah bah oui. Oui, mais je sais pas, moi j'utilise pas schématique, je le connais pas. Aïe, sa mère. Oh, je me fais baiser les oreilles. C'est de quoi ça? Je me fais niquer les oreilles. C'est des quoi ça? C'est les pop-up. C'est les pop-up. Ah. Peut-être que les oreilles par un. Non mais les pop-up, genre les pubs. Ah, ça fait extrêmement mal aux oreilles. Moi aussi j'ai eu mal aux oreilles. Ah, je suis sûr que ça fait une vente détruire l'oreille. Ouais, je crois que j'ai perdu l'audition. Non, tu nous entends, t'inquiète. De quoi? Est-ce que tu nous entends, Eo? Non, je ne vous entends point, Eo. Voilà, je pense que je me détruis l'oreille, ultra mal. Le machin qui dit en mode de, votre PC était infecté par 42 virus. Yes, putain. Bref, schématique est installée, et donc je suis obligé de relancer Minecraft. Télécharger, téléchargement direct. Schématique enregistré. Oh, j'ai commencé à construire de la merde. Alors attendez, on va se mettre loin. Pour faire la salle là que je vais faire, il va falloir se mettre assez loin. C'était quoi ça, ce gars ça? D'accord. Il va exploser. Hop là. Je me connecte. Oh, je dois faire le mode schématique. Ah, attendez. Hop. Ça, ce petit. Quelle sortie, garçon. Magnifique. Quoi le cri que t'as fait tout à l'heure, c'était magnifique. Mais je me suis fait exploser par.
m'inscris pas. En même temps, quelle idée de se faire la mort? Non, ça, ça c'est la rumeur. Lord, comment vas-tu? J'ai pas d'autres matériaux, hein, alors je suis... C'est bizarre à quitter, d'accord. Ah bah, c'est une espèce de riche, moi. Espèce de riche, hein, allez. Il est tout en diamant et moi j'ai juste de l'argent. Mais tout parce quoi. Que... Personne ne t'aime. Yes. Ah, le bâtard. Toi, t'es morte. Oh. D'accord. Elle est vraiment morte. C'est que ça se passe la souris, dis donc. Mais complètement. Merci. Oh, je me fais défoncer. Ah, pas d'habitude. C'est pas comme si c'était d'habitude. Ah non. Alors, est-ce que ça marche, schématique? Comment? Alors, je découpe. T'es chiant. Contrôle. Alors, c'est quoi les contrôles schématiques? L'autre schématique, c'est divide. Ok, d'accord. C'est bon, bah j'ai mon schématique. Je me fais déglinguer. Ok, bah vas-y, déjà installe le schématique. Oui, oui, en passant. Alors, schématique. Alors, down. Alors, je crois qu'on joue à Crash. C'est sérieux? Ah, d'accord, le schématique, c'est plus grand à ce point. Bon, attends, je cherche un goûter parce que j'ai la dalle. Mais tu sais que moi, mes trucs, ils spawnent dans un coffre. Tu sais, quand je meurs, il y a des... Stardust noise. Ah oui, complètement. Doc. Yes. C'est normal que j'ai encore un coffre quand je meurs. Quand tu meurs? Ouais. Mais c'est normal, on l'a laissé le D-chest, ouais. on l'a laissé. Mais ça fonctionne pas pour les joueurs. Si, ça fonctionne pour les joueurs. Non. Bah, faudra que je regarde alors. Ça doit être dans les permissions. Je peux pas briser le putain de coffre. Ça doit être dans les permissions, faudra que je regarde. Je peux pas briser le coffre. Ah bah je vais le relever. Je crois qu'il y a plein de trucs hein, quand je l'enlève. Par contre, si vous voulez détruire la plaque, il va falloir hein. Tiens, j'ai une question. Quelqu'un sait comment augmenter la RAM de Minecraft? Ah oui, oui, c'est facile à faire. Mais c'est XMX ou je sais pas trop quoi. De quoi? Faut pas faire tout genre en mode. Ouais, c'est un truc dans les. Ouais, bah attends, je te ferai montrer ça après, d'accord? Ça va? Qu'est-ce que t'as construit dans ton live, Doc? Rien, truc. Moi, je vais manger un petit biscuit, parce que. Je vois, alors, je me permets de le construire, comment dire, au-dessus du médiéval, mais il gênera pas. Hein. Ah, vous avez pas. C'est quoi, Doc, ce qu'il a fait? Vous allez voir. Je vais me manger moi-même comme c'est fort. Alors, dossier de configuration. Modifier la. Oh, c'est quoi ça? T'es pas en train de faire un truc du Tardis là? Non. Non, c'est butin, okay. T'es pas sérieux? Si.
Mais là, il servira seulement pour la décoration et peut-être pour des quêtes aussi. Je vais amener un pote et on va voir pour essayer de... Je vais voir avec Alex, mais je pense que ça va pas le déranger. Tu vois, c'est qui, Alex, 14e, Crazy. 14e, ouais. Je sais. Ah, le truc de... Mais il a dit qu'il voulait pas le... Qu'il voulait pas quoi? Mais là, il y a... Non, il veut pas le TARDIS Buggy. Il a pas dit qu'il avait pas besoin de... que j'avais pas le droit de faire une salle. Juste une salle. Non, mais ça, c'est... Mais pas le... Voilà, bah alors voilà. Non, mais il y aura pas de plugin. C'est ça que je te le dis. Okay, il y aura pas de plugin. Il y aura peut-être des commandes blocs qui vont servir pour les quêtes, puisqu'il va y avoir des quêtes sur le serveur. Soit des quêtes, soit ce sera peut-être un plugin pour les quêtes. Pourquoi c'est toujours moche comme ça? Pourquoi tu fermes pas ta gueule? Non, mais c'est vrai. Doc, je crois que tu peux augmenter la portée normalement du printer. Oui, non, je sais, mais c'est juste que je fais couche par couche. Mais là, je vois que tu galères, tu vois, tu pourrais te poser à un endroit pour poser tout d'un coup, genre. Ah ouais, t'es sérieux? Mais je crois que tu peux l'augmenter à la portée, mais je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire, moi. Rien, une vidéo sur YouTube, tu devrais trouver. Je regarderai ça après. Pour la prochaine, au cas où, si je fais une autre construction, ouais, ça me servira. La mémoire. Ah, c'est là, je peux augmenter directement la mémoire. Mémoire max, on va mettre 2 gigas. Je sais pas, t'as combien de gigas sur ton PC? 6. Et bah, t'en as 6, t'as dit? Ouais. Tu mets 3 gigas ou 4 gigas, ce sera suffisant. D'accord, je vais même pas passer mon jeu, ok. D'accord. C'est quoi ton ordi? C'est un ordinateur, bah c'est très bon, c'est un... Pas foufou. C'est un tour. Moi j'ai une tour, mais c'est une Intel Celeron. Oui, c'est de la merde en fait. Ouais. En fait, j'utilisais 2 gigas de base. On... Oui, les 2 gigas de base, c'est normal, ça. C'est le PC Minecraft qui. Attends, quoi? Attends, j'ai un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais t'as oublié d'installer l'Industrius, non? Non, en fait, le truc, c'est que j'ai 1 giga de RAM. Moi, j'ai 4 gigas de RAM de base. Mais par contre, c'est vraiment la merde. Et là, par contre, ça fait vraiment mal au cul. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai que 4 gigas de RAM. Ah bah si t'as que 4 gigas, ouais, ça va être chaud. Ouais, c'est vraiment très chaud là par contre. Parce que si tu fais augmenter alors que t'as pas les gigas qu'il faut, tu vas faire planter ton PC. Là c'est niqué. Non, c'est bon, Minecraft s'est lancé. Avec 1,5 giga de RAM. On va voir si ça marche. Alors non. Là, je lance le jeu. D'accord, Minecraft ne s'est pas lancé. Je crois qu'en fait, on n'aura pas vu de la journée Alex, en fait. Hein. Mais ça fait 2 jours qu'on l'a pas vu. Mmh. Il est peut-être mort. Hein. Ça va. On va éviter de dire ça. Hein. C'est un optimiste. Je sais pas, c'est normal. Hein. Vraiment des bugs, hein, Blizzard, pour que tu fasses des décors, quoi. De quoi? Tu fais que des décors, quoi, depuis tout à l'heure. Oui, tout seul. Attends, je me mets, je reviens. Vas-y. Moi je vais y aller. Pas de soucis. Bye. Bye toi.
T'as vraiment l'intention de détruire ma maison? Axel? Docteur? Oui. Est-ce que c'est vrai que Axel a envie de détruire ma maison? Ah, je sais pas, c'est quoi ton pseudo? Black Nazien. J'en ai aucune idée. Axel? Ouais. C'est vrai que t'as envie de détruire ma maison? Bah ouais, parce que le truc c'est que genre par rapport au build qu'on a nous, pas de test de sa maison. Moi, bah, tu l'améliores. T'as pas besoin de la détruire, t'as juste à la rénover. Bah non mais là c'est plus de la rénovation qu'il y a à faire mec, c'est carrément après tout. Parce que tu vois, tu plains pas pour la maison d'Izzy, mais la mienne... La maison qui? D'Izzy. Mais il y a plus de maison d'Izzy hein. Ah, bon bah ça je sais pas, je l'ai pas vu. La maison d'Izzy a été rasée pour me laisser place à la maison. Voilà. Oui, ça. On a l'intérieur du TARDIS intégré. Voilà. Qui servira à une quête, que j'ai peut-être une idée. Mais juste d'abord, il faut que la majorité du village soit d'accord, hein. Mais bon. De quoi? Pour détruire ma maison. Et à ta maison, mec. Moi, je suis d'accord, j'ai pas vu, mais je suis d'accord. Ta gueule, la Wiz. C'était bien ta soirée hier soir? Ouais. Oh putain, j'ai crevé. Bon, alors est-ce que le Somatica pour Doc va marcher? Son coke. Ah oui, c'est bon, Doc, c'est ta maison. Ok, bon, du coup, place-la correctement. Tu me dis dès qu'elle est bien placée. Ouais. Je te mettrai le. Ah, jeu. Mais du coup, quand j'y pense, du coup, tu vas aussi devoir détruire la maison de ma soeur, puisque c'est dans le même style. Oui. La maison de qui? Master Blade, oui. De Master. Oui, C'est de nos projets. C'est quoi le concept? Ah, tu veux remodeler un peu le village, quoi? Ouais. C'est la maison de qui que tu veux détruire? Black? La maison de Black, souvent. En fait, c'est pas vraiment ma maison, c'est la maison principale déjà. Et de 3, c'est aussi la salle des coffres. Moi, ce que je propose, c'est que oui, déjà, c'est la salle des coffres. Et je propose qu'on fasse une mairie à la place. Ou un truc comme ça. On avait prévu de faire une église. Ouais, parce que. Ouais, ce qui serait bien. Quand même, parce que tout ce qu'il y a dedans, c'est précieux. Ou construire un autre bâtiment, justement, avec des coffres comme ça, et justement, déplacer. Bah, Doc, ça va être bon, hein, Doc, hein, la maison. Dès que tu l'as bien placé, tu me le dis, d'accord? Bah non, d'abord il faut que tout le village soit d'accord, hein. C'est pas parce qu'il y a que vous deux qui sont d'accord. Que... Bizarre, c'est bon, tu l'as placé. Ok. Non, mais bien sûr, on t'aidera à te reloger, Black. C'est juste que. Alors. Tu parles à Black là? Les couches par couches. Les couches relogées? Ouais, bon, par contre, c'est vraiment pas contre vous, mais Blizzard, tu prends trop la grosse tête. Pas besoin. Non, après, les gens, il n'y a pas de souci, vous avez le droit de faire un vote, hein. Ça, c'est pas interdit. Hein. Ça marche comme ça dans un village aussi. Certes, le chef fait ça, ceci, mais il y a bien le droit d'avoir un droit de vote, ça, c'est pas interdit, d'accord? Vous n'allez pas, vous disputer pour quoi que ce soit vôtre. Bon, bah, d'accord? C'est quoi qui est en haut, les gars? Attends, là, oui, c'était où? Il faut que je monte un truc, genre, j'ai débloqué une commande, genre, je vais mettre un vote 1. Ouais, c'est trop bizarre d'être en GM sur le serveur. Pourquoi? Dis-moi, t'es en train de détruire ou t'es en train de faire les... Comment ça tu peux être en GM mode 1? Je l'ai passé en GM 1 pour qu'ils puissent construire la maison, parce que je t'explique, j'ai construit une maison, enfin en version rapidité, et ils ont dit que c'était de la merde parce que c'était pas médiéval. J'ai dit, alors vous êtes pas content, vous prenez une médiévale et vous allez la construire à la maison. Ah ouais, bah tu aurais pas pu me donner le GM moi aussi, t'inquiète, là, j'aurais quelques détails à terminer sur ma maison. Ouais. Tu me le passeras à l'avenir. Ouais. Par contre, c'est quoi l'île flottante au-dessus de la house? C'est moi. Vous y touchez pas, c'est une quête qui est en train de se préparer. Ouais, parce que sur ma mini-carte, genre, je vois une grosse bouse en plein milieu du village, genre un peu orange. Ouais, ça gêne? Bah, pas pour le moment, il faut juste que tu la décales par contre. Tu peux la décaler? Je fais un truc en dispi. Ah d'accord, donc c'est pas que ça vole les... Ils volent hyper rapidement dans le ciel.
2. Je suis du terraforming, vite fait. Voilà. Du terraforming. On fait un petit slash cut. Voilà, et on va la déplacer ailleurs. Hop. Je la déplace à côté du village, ça vous dérange pas, monteur? Attends, j'ai un crash. Pourquoi c'est, ils sont où tous les poulets, les gars? Cuit. Qu'est-ce que tu qui a pris les poulets? Voilà, c'est bon, j'ai reconstruit le truc. Ok, on est de retour. Et est-ce que j'ai pris la grosse tête? Tout ça parce que je rase une maison. Blizzard, t'es pas connecté sur ça là? Non, j'ai crash. Ah. Là. Après, Kylian, on est sur pas mal de personnes. Tu sais pas aller de la maison, on est d'accord pour raser la baraque. Parce que franchement, quand tu vois les builds des autres, etc., on s'est dit oui, bah les builds. C'est pas les problèmes. Fait, salut à toi, Mad Boy, comment vas-tu? Si je comprends bien votre projet, oui. C'est de détruire la salle des coffres. Oui, mais de toute façon, tout le monde va se déplacer dans des maisons. Ah ok, vous avez transvasé les trucs dans le coffre à haut. Dans les ouais maisons. Non, on allait tout détruire en même temps. Ah bah si vous détruisez tout, ça va pas le faire par contre. Non mais c'est une blague, c'est du second degré, Mimi. Parce que c'est alors, une salle des coffres où il y a rien dedans. That's a prank, bro. Don't worry. Donc attends, yep. Faut que j'arrive à replacer la maison comme il faut. Parce que là, comme j'ai eu un déco, bah... Putain, avec mon pack de textures, j'arrive pas à m'y habituer. Qu'est-ce que... C'est bon, t'as connecté bizarre parce que... Oui, je suis en train. Mais pourquoi tu crashes comme ça? Je sais pas, mais c'est parce que j'utilise pas le vrai launcher de Minecraft. Moi, j'utilise Multi-MC. Parce que je peux plus jouer à tout. Mais bon, comment ça se fait que tu peux pas jouer? Je sais pas, genre en gros, depuis que bah, je. Printer. Depuis que bah, j'ai été sur le serveur, etc. Bah. T'es en train de faire printer là? Oui, j'ai printé. Ok. D'accord. Est-ce qu'on peut rejoindre le serveur? C'est possible? Oui, vous pouvez rejoindre le serveur, c'est en 1.12.2. C'est une version premium par contre pour rejoindre le serveur. Oui, vous pouvez rejoindre, il n'y a pas de soucis. Bien entendu, vous pouvez rejoindre. Hop là. Putain, je lag comme une merde, moi je sais pas ce que j'ai. C'est peut-être la construction, je sais pas. Ça m'étonnerait parce que bon, j'ai pas des blocs à 2x1000, tu vois. Attention, Hits. Ouais, Hits, attends. Je fais un déco au coup. En fait, c'est quoi le serveur? C'est de la survie, Mad Boy. C'est de la pure survie. Tu vas ouvrir les tapis. Pourquoi il y a autant de coffres? Ça consiste en quoi? Bah, ça consiste à survivre, à faire ta maison, à aller dans l'aide, dans le nether, à faire tout ça. En fait, c'est du Minecraft normal. Tu vois. Basique pour l'instant, mais il va y avoir d'autres trucs qui vont être rajoutés. Merci pour l'abonnement, Adrien Pony. Je comprends rien à ce qui se passe. On va passer en cinématique. Voilà. Oh, c'est tout cassé, on va tout recommencer à zéro. D'accord. Non, bon, c'est une blague, c'était un prank encore. Vous allez détruire ce qu'il y a en bas, donc vous allez enlever les coffres. Mais ce qu'il y a dans les coffres, on va le mettre où? Mais t'inquiète, on va rajouter des coffres, c'est pas la place qui manque. Hein. Ouais. T'as qu'à faire ça à l'étage. Mais je pense qu'on va faire, de toute façon, on va refaire un bâtiment où on va, genre, là, on va mettre une église, par exemple, c'est ce qu'il veut l'autre Trouduc, l'autre chef. Après, une mairie, mec, la mairie, ça fait pas vraiment. Oui, je sais, mais du coup, il faudra aussi créer un bâtiment en plus pour foutre, comme a dit Mimi, tous les coffres. Ah non, c'est pas une voie transformée, c'est juste une voie de malade, c'est tout. Cherche pas à vous. C'est pas une voie transformée. Ah oui, par contre, ils ont été cons parce qu'ils ont utilisé de la Stone Brick Monster Egg pour faire la maison. Mmh. Et ça, c'est vraiment pas. C'est vraiment d'ailleurs, j'ai toujours pas d'enchantement machin, un truc bidule là. Ils ont utilisé quoi, t'as dit? Ils ont utilisé de la Stone Brick Monster Egg pour créer le schématique.
Monster, mais c'est des bêtes. Oui, c'est des bêtes, oui, c'est pour ça que je l'ai remplacé. D'accord. Mais il faut être vraiment très clair. J'espère que c'est pas sa vraie voix, MDR. Très... Ah non, oui, non, c'est sa vraie voix, il n'y a aucune voix modifiée ici. Hein, dans le il n'y a aucune voix modifiée. C'est vraiment. Ça a des âges différents, mais non, il n'y a pas de voix modifiée, Toi, là, oui, c'était où? Je suis dans l'au-delà. Je suis mort. Docteur. Moi, je fais des décors roco parce que j'ai pas de connexion en fait. Par contre, j'ai un problème, c'est que là, je sais pas comment l'obtenir, c'est le bois là avec toutes les facettes d'un coup. Tu veux dire sur le côté? Non, en fait, c'est un cube de bois, mais genre en fait, t'as la texture du bois partout. Genre, t'as pas la cime. Bah, c'est pas grave, fais les couches par couche, on verra la suite. Tu non, en fait, c'est parce qu'en fait, en gros, t'as un putain d'arbre à côté de ta maison. Bon, donc, je sais pas si tu le veux ou pas, le gros arbre. Tu veux juste la maison. Non, tu fais pas l'arbre, tu fais juste le reste. Mais du coup, docteur. Ton truc, la mission, c'est une mission que tu nous as dit, le truc l'île flottante. Oui, ça va être une quête. Ouais. Est-ce qu'il y aura du Docteur O dans le serveur? Non, il n'y a pas vraiment du Docteur O, il n'y a pas de plugin Docteur O. Il y aura une quête où il y aura une salle de Docteur. Ah. Faire la salle du TARDIS. Alors là, on fait comment, Doc? Bah, on fait comment? On fait rien du tout, non? Tu continues? T'es marre. Non, c'est bon. Il faut mais tu l'aides à faire quoi, Blizzard? Il faut qu'Alex il vienne dans le local. Moi, j'ai rien fait. Mais je vais lui expliquer. Il va comprendre, Alex. Il n'y a pas de souci. Il est super sympa. Il peut comprendre. Il n'est pas con comme Cassandra. Après, j'ai dit mais va te faire foutre. Comment t'es désagréable aujourd'hui, bâtard. Je suis, comment dire, content, tu vois, de ma connerie. Ah, mais vous avez enlevé presque tous les murs. Il s'est barré. Il a enlevé tous les murs. Il s'est barré? Mais c'est quoi de ça là, Cassandra? Ah non, il est revenu. C'est moi, je t'emmerde aussi, Cass. Mais il a des problèmes de connexion, Alex ou... Non, il doit être en vanish. Vanish, je pense. Non, il est pas en vanish, je le vois même moi, je le vois pas. Ouais. Donc là, en fait, même en vanish, nous on peut le voir, tu vois. Tu joues sans shader et sans texture pack. Si je joue avec un texture pack, ça se remarquerait bien. Si, je joue avec un texture pack, mais c'est juste que là. Mais je crois qu'il a des problèmes de connexion, Alex. Non, je joue sans shader pour l'instant. Alors, le creeper, il me saoule de soi. Hop là. Elle est grande en hauteur bizarre. Je crois qu'Alex, il a vraiment. Non, regarde, ça se voit qu'il a des problèmes de connexion, Alex. Ça se voit sur le serveur qu'il a des problèmes de connexion, sa barre elle descend. Bon, je souviens, Doc, ta maison c'est pas la plus grande du serveur non plus. Hein. Elle est pas non, on s'en fout, mais au moins c'est une maison médiévale, tu prends moins chier déjà avec ça. Yes. Là, moi je te surveille pour l'instant. Hop là, le prochain, je sais pas. Là, il manque un bloc. Moi. Ouais, il manque plein de blocs là, c'est. Non, je crois vraiment qu'Alex a des problèmes de connexion. Ah oui, regarde la connexion d'Alex. Non, mais Cassouille ne cherche tu pas. Tu peux mettre. C'est quoi la commande pour changer de surnom déjà? C'est /nick, name, espace, ton nom et après espace, le nom que tu veux changer. Est-ce que si on vient maintenant sur le serveur, on peut faire quoi? Bah, tu peux faire ta survie déjà. Voilà. Tu peux avoir des métiers. Alors, il y a les jobs. Je t'ai pas écouté, docteur. Eh ben, m'écoute plus. Il y a les jobs, Non, en gros, Crazy, c'est /nick, N-I-C-K, Doc. Et après, tu marques oui, c'est David. Coucou. Salut, Alex, mais je crois que t'as des Doc, problèmes. Doc, il est là ou il est pas là? Doc, il est là. Oui. Ah. T'as des problèmes de connexion? T'as des problèmes de connexion, toi? Non, j'ai pas mon Minecraft, il a crash. Ah, y a pas que Minecraft, parce que je te voyais faire des décors recos sur Discord aussi. Ah bon? Ah bah on te voyait te déconnecter, reconnecter à chaque fois. Non, c'était sur son stel, ça. Ouais. Ouais, je t'explique juste rapidement. Alors, je t'explique, j'ai mis... c'est bizarre, j'ai mis bizarre les frangèmes. Hein, je t'explique pourquoi. Ces mecs-là, sur leur village, parce que je vais me barrer sur leur village directement et construire une maison, tu vois. J'ai construit vite fait une maison médiévale, mais avec Schematica, tu vois. Je sais pas si tu connais le mode. Oui. Voilà. Donc j'ai vite fait construire une maison, je l'ai fini, et t'as deux personnes du village, donc deux chefs du village qui viennent me dire
C'est pas un village, c'est pas une maison médiévale. Je dis, foutez ma gueule, j'ai marqué maison médiévale, j'ai trouvé ça. Foutez pas de ma gueule quand même. Mais non, ça, c'est pas une maison médiévale, faudrait que tu la supprimes. Je dis, je fais chier à la faire. Et tout, pas fait chier à la faire. Version rapide, mais je me suis quand même fait chier à la faire. Donc j'ai dit, si t'es pas content, je vais supprimer la maison et tu vas la faire. Vous pouvez m'expliquer pourquoi Blizzard, il en gêne hein. Mais justement, je suis en train de t'expliquer, mais si tu m'écoutes pas. Donc c'est lui qui la supprime. Non, en gros, je t'explique. J'ai supprimé la maison parce qu'il n'était pas content de la maison. Je lui ai dit, maintenant, si tu n'es pas content, tu vas la construire toi-même, la maison. D'accord ? Voilà. Ah ouais. Du coup. Ah, je me suis pas fiché, tu voulais pas. Eh, il n'est pas content, c'est lui qui va la construire, point final. Hein. Bon, là, il utilise des schémas tickets aussi de ton côté, donc c'est pour ça qu'il va assez rapidement aussi, putain. Voilà. Comment vas-tu, Alex ? Ça va, tranquille. Ouais. Je suis passé dire bonjour, Alex. Ouais. Mais comme je vois que vous êtes occupé, je vais vous laisser. Bon, et les maisons, ouais. On fait en créatif. Mais pas de soucis, c'est de la survie. C'est juste que là, pour l'instant, on est juste en train de refaire certains trucs rapidement. Et puis surtout que moi, je suis toujours en train de développer le serveur aussi. Alex, tu me vois là ou pas? Ouais. Ouais, je te vois. T'as une tête bizarre. Okay. Tiens, viens. C'est normal, j'ai encore mon casque, c'est ça? Ouais. Ouais, j'ai le fameux bloc qui était en l'air. Tiens, suis-moi. Il y a un truc en l'air oui, là. Oui, c'est normal. Ah, alors, tu m'as dit que tu m'as interdit le plugin Tardis, d'accord ? Je l'ai pas mis, on est d'accord. Je viens de te perdre ou c'est moi qui est en train de rêver ? T'es sérieux ? Non, mais de toute façon, va à la structure en haut, de toute façon, je suis à la structure. Ah, ok. Voilà. Il y a une soirée, une maison. Tiens, regarde, je suis là. Je suis au-dessus de toi. Ouais, je te vois. Alors, tu m'as interdit le plugin Tardis, d'accord ? On va rentrer par là. Ouais. Mais je me suis pas interdit de faire une salle qui va nous servir pour une quête. Je vais commencer à faire des quêtes sur le serveur. Donc il n'y aura pas que ça, bien sûr. Il y aura plein d'autres quêtes et tout. Mais il y a une quête où ça servira aussi la console. En gros, il faudra trouver le bon système pour en gros déverrouiller un truc pour gagner quelque chose. Ça va être galère. Je ne vais pas te mentir, ça va être super galère à faire ça. Mais. D'accord. Ça va? Ouais, je suis parti un week-end et je reviens, mon serveur il est complètement différent. Ah mais on a fait vraiment. Moi j'ai pas été là beaucoup ce week-end parce que à cause de ma maladie, hein, t'es malade. Ouais. À part que t'as fait un joli troll. Oui, je me suis amusé ce matin, j'avais rien à faire. J'étais en pleine forme. Ce matin il fallait que je sois en pleine forme. Du coup ce que j'ai fait, je les ai trollés un peu sur le serveur. Non, je parle de l'autre troll de l'autre fois là, tu sais, avec la. Tu m'avais dit que c'était un troll. De quel troll tu parles? Tu sais, avec le. Avec genre, il savait pas si c'était un plugin ou un truc comme ça. Oh oui, sur ce tour rapide, j'étais en live aussi de ce côté-là, donc oui. C'était hier d'ailleurs, quand t'étais pas là. Ah, ok. Ouais, bah oui, j'étais pas là effectivement. J'étais en Normandie. Je suis pas venu souvent sur le serveur aussi, parce que bon, bah, du coup, à cause de ça. J'ai une autre mauvaise nouvelle à vous annoncer. C'est. Hein, jamais 203, comme on dit chez moi. T'es sérieux? Ouais. Ma voisine. Ouais. Elle a fait une crise cardiaque il y a deux jours, elle est morte. Oh putain. Vous avez pas de chance. Donc on sait pas si on va y aller à un autre enterrement quand on commence à les collectionner, on commence à en avoir le cul. Ça commence à faire beaucoup là. Beaucoup trop même. Ah non, mais en plus on l'a appris le matin où on allait à l'enterrement de ma grand-mère quoi. Oh putain de bordel. C'est hallucinant le truc. Mon père, il m'avait dit la veille, elle avait fait une crise cardiaque, ils m'ont emmené à l'hôpital. Ils ont réussi à faire quelque chose. Elle était stable. Et puis le lendemain, elle a refait d'autres crises cardiaques et pas moyen. Et elle a pas survécu, putain, fais chier. Non. Elle a pas c'est quoi ça? Ils viennent me voler des blaze rods, l'autre. Mais elle est jeune, hein, encore en plus, hein, 40, 45, 47. Ah oui, elle est jeune. Pas exactement, mais ouais. Oh, putain, bon, elle était nerveuse, mais quand ça, même. Ça devient vraiment chiant d'avoir tout ça, d'un coup. Non, moi, ça commence à faire beaucoup trop, là. En 5 ans, ça fait beaucoup de personnes, ouais. En 5 ans, je suis en train de te les collectionner, C'est hallucinant. Mais encore, dans ma famille, là, j'en ai revu des grands-oncles les frères et sœurs de ma grand-mère, quoi. Ils sont tous dans un état pitoyable, hein. À mon avis, c'est pas fini, hein.
là ils vont tous tomber dans les deux ans, et puis des oncles et des tantes, il y en a des oncles et des tantes de mon père, il y en a une quinzaine. C'est vrai. Ils sont tous vieux, on va tous les perdre, hein. Ça c'est clair. Ça je te dis, je te promets, je commence sérieusement à avoir marre. Malheureusement, on peut rien faire, c'est ça le problème. On peut rien faire. Sauf s'il y avait un remède, mais même un remède, ça servait à quoi? La France serait quand même obligée de mourir un jour ou l'autre, c'est ça le problème. C'est ça qui me fait chier. Non, mais je dis pas, mais c'est parce que bon, dans ma famille, on est nombreux d'un côté, tu vois. Le côté de ma grand-mère, ils sont au moins 70 avec les enfants, les petits-enfants, les machins, les grands-pères, ils sont énormément. Et là, il y a une quinzaine de vieux là qui vont tous tomber dans les années à venir. Ils sont tous des cancers, tous des trucs. Mais je te promets, ça devient vraiment énervant, tu vois. Ça devient. À savoir comment ils font déjà pour survivre. Je te promets, de temps en temps, ça m'arrive. Là, je suis en live en ce moment, mais j'ai envie de lâcher des larmes, tu vois. De temps en temps, c'est vrai que ça devient chiant, tu vois. Ça devient vraiment chiant. C'est quoi le Discord? Je sais pas si on peut le passer, le Discord. Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, l'autre, il est méchant. Genre la Wiz, il me fait payer le loyer, mais il est méchant. Mais quoi, vous êtes tous mis dans le village ou quoi finalement? Oui. Moi du coup, je me suis installé au village, de mon côté du coup. Qu'est-ce que je veux dire, Alex? On peut passer le Discord ou pas? À qui? À un pote, je suis sur le live en fait. Ouais, s'ils viennent sur le serveur, oui. S'ils viennent sur le serveur, oui, qu'ils rejoignent le Discord, ce sera beaucoup plus simple. Évidemment. La question ne se pose même pas. Alors, copier l'adresse du lien. Voilà, vous voulez rejoindre le Discord, je vous le passe. Voilà. Ah, puis moi, j'ai pas mal de terraforming encore à faire, à finir. Putain. Ah ouais? Ouais. Mais énorme, hein, le terraforming, il va être gigantesque. Hein. D'accord. Là, j'ai tout prévu, un truc de malade. Il y a une baraque à virer, là. Moi, je vais la virer, la mienne de baraque. Attends, elle est où, la maison, Blizzard? Hein? Non, mais Blizzard, il est là. Mais non, c'est vrai qu'on n'est pas dans la même... Enfin, quand je retourne... Bon, ils ont enlevé la muraille, ça y est, ça fait... Je l'ai enlevé. Ouais, faudra refaire le terraforming autour, parce que moi je vais arriver avec mon terraforming bientôt. Blizzard va s'en occuper de refaire la terraforming. D'accord, je ferai la jonction entre les deux. Alors. Ouais, par contre, les lignes de cobble qui traînent partout, là, faut les enlever. Hein. C'est dégueulasse, les colonnes, les lignes, les trucs. J'ai pas tout enlevé encore. J'ai fait vite fait avoir d'édite pour supprimer. Non, mais là, il y a pas de. Là, c'est pas de la muraille. Hein. Ah, ça, c'est qui ça? Ça, c'est un mec qui a dû courir et poser des blocs pour. Ouais, ici, là. Je sais pas si c'est quoi. C'est David Dell, les Japonais. Ouais, pour couper tout ça. Qu'est-ce qu'il veut encore? Ça va, sinon toi, Alex, sinon par ça, à part toutes ces merdes qui arrivent. Bah, à part ça, ça va, on va dire que je tiens la santé, tout va bien. J'aurais vraiment préféré ne jamais, mais jamais vivre tout ça, tu vois. Mais moi, j'aurais même pas préféré ne pas vivre tout court, tu vois. Il m'aurait pas arrivé toutes ces merdes, tu vois. Ouais. Voilà, tu l'as, ta putain de maison médiévale comme. Attends, je vais retourner sur l'autre discussion 2 pour discuter avec lui. Ouais, et puis tu le remets en créatif. Vas-y. En survie. Vas-y. Alors, comment ça se passe la maison? C'est fini. C'est fini. Je savais pas, docteur, que tu t'es installé chez nous au final. Mais je vais m'installer chez vous, bien entendu. Attends, je juste un truc, c'est que je paf, je suis en créatif encore. Je suis en créatif des œufs. C'est quand qu'on crée des statues dans le village? Ah, mais vous pouvez vous commencer à vous en créer des statues. Hein. Mais qui veut des statues dans le village? Ah oui, la maison est. Non, pas des statues, des statues citoyens. C'est comme ça, tu sais. Attends, du coup, je peux t'enlever le. Oui, tu peux m'enlever le deuxième. Mais pourquoi? Pourquoi il fonctionne plus? C'est quoi ce délire? C'est qui qui a non, c'est quelqu'un qui a retiré la lave à ce qu'il paraît. Attends deux secondes. GM.
0 bizarre. Merde, c'est vrai que je suis encore créatif, merde, moi j'ai quitté ce nerf comme. Bon bah je reviens. Ah attends. Donc Alex il a dit quoi par rapport à ça de nouveau en créatif? Non, il n'y a pas de soucis, je vais expliquer. Voilà. Non, il n'y a pas eu de soucis. Faudra que tu remettes. Attends, tiens, je te remets la restante là. Voilà. Ça me paraît bizarre parce que bon, il s'allume pas là. Non, mais c'est le, t'as remis la lab au moins? Oui, j'ai remis la lab. J'espère que. Bon, j'étais en crête. J'espère que le mec il a pas cassé. Alors attends, je retourne dans le vocal en j'arrive. Du coup. Alors, Kassoui, tu veux ton enclos là? Ouais, on va juste mettre des clôtures. À l'extérieur de la maison. Oui, bah oui. Par contre, la maison elle est sympa d'extérieur. De l'intérieur, elle est vide, mais elle est sympa. Là, ça fait une maison. Bon, ça fait c'est la plus petite maison. Elle est en chêne ou en sapin? Je sais pas, je vais dire ça. Elle est en bois de sapin. Ah, parfait. Oh, j'ai que ça. D'accord. Bon, bah c'est bon, je vais repasser en GM0 et tout. J'ai vérifié son inventaire et tout, il n'y a pas de souci. Ok. Tu rejoins le serveur ou Discord? Bah, le mieux, ce serait que tu rejoignes le Discord avant. Ah oui, je n'ai pas remis à jour la map du coup parce que j'ai fait tout le terraforming. Il n'y a pas les lacs qui ont apparu encore. Parce que j'ai mis trois gros lacs. Il y a trois gros lacs encore. Enfin, deux. Ouais, si, trois. Ouais. Il y en a un géant, un moyen. Et il est censé y en avoir encore un autre. Mais là, il va y avoir trois cascades et tout. Franchement, vous allez kiffer ce que je suis en train de vous préparer. Hein. Vous allez tomber des nues quand ce sera prêt. Ouais. Ah ouais. Slash GM 0, on va repasser en survie. J'ai mal au crâne, un truc de ouf. Ah. Bon, allez hop, on va tout déplacer de la maison du coup. Oh, puis il y a des gens qui savent pas conduire, je te jure, c'est flippant. Ah bah ça, c'est malheureusement problème. C'est le problème partout, ça malheureusement. Il y a des barrières là. Moi je t'ai pas dit en fait Alex, j'en ai parlé avec le change, j'en ai parlé avec tout le monde maintenant. Ça. Je suis en train de créer ma propre émission là sur Minecraft. Là. Ouais, tu m'en as parlé. T'étais le premier à me le dire. Hein. J'étais le premier à le savoir. J'en parle tellement à des gens que je me souviens même pas à qui j'en parle. Désolé, tu m'en as parlé, t'inquiète. On pourra gagner des clés de jeu et tout. C'est ça. Par contre, je veux pas rester super longtemps sur le jeu, puisque du coup, je vais aller jouer à The Division 2, puisqu'il se termine ce soir, la version gratuite. D'accord. T'inquiète, vas-y. Hop, je finis pour l'instant ça, tranquillement. Torche, on récupère. La vie, on en récupère. Le cuir, on récupère. Je vais vous retrouver avec tout le serveur dans le village, en vrai. Et toi, du coup, tu veux te retrouver seul? Bah moi, c'est pas prévu que je fasse de la survie. Hein. Ouais. J'ai pas du tout prévu ça. Moi, je m'occupe du spawn, le tour du spawn, le terraforming, et puis administrer de temps en temps, tu vois. C'est tout. Hein. Après, si vous faites de la survie tous dans un village... Si ça devient une ville après, à la fin d'une ville médiévale, et qu'elle s'agrandit, bah à la limite, pourquoi pas. Maintenant qu'il n'y a plus de muraille. Pour l'instant. La muraille était extra. Après, je pense que non, il n'y aura pas la muraille, je pense qu'on fera un truc un peu plus stylé. Non, mais on va faire un. Ça va, le village, il va faire partie du spawn, hein, puis voilà. Hein. Dans un sens. Oui, c'est sûr. Let's go. Bah, pas de soucis, parce que go. Si tous les gens ils viennent, ils font leur survie, ils viennent construire leur maison là, ça fera les maisons du spawn quoi. Et puis voilà. Voilà. Code, patron, ça c'est bien. Il me faut des tapis. Des tapis rouges, par contre. Tapis gris. Et j'enlèverai aussi le portail là, du coup. C'est qui est en rouge? Allô. Oh, c'est qui parle dans son cul? Ça, c'est Master Blade, ça. Ouais.
Master Blade. Tu peux enlever ta maison de caca? Ouais, Master Blade. Ouais. Ils vont supprimer ta maison sur le serveur. Ah ouais? Ouais, parce qu'en gros, ils sont en train de refaire des vraies maisons médiévales. Parce que là, ta maison à toi, elle n'est pas vraiment médiévale. La maison en bois? Ouais, les deux. Ouais, tu ouais. D'ailleurs, pourquoi tu fais deux maisons d'ailleurs? Non, il y en a une, c'est pour le truc de mine, c'est ça? Ouais. Ouais, ben c'est pas très mine. Si tu fais un truc mine, fais une entrée de mine médiévale. À la limite, tu regardes sur YouTube. Parce que là, c'est pas très médiéval et c'est pas du tout mine. Quoi, du coup. C'est ça. Alex. Ouais. Je pourrais m'occuper moi-même de détruire les deux maisons ou pas? Ah, oui, oui, bah tu récupères tes. Tu pourras récupérer tes matériaux. Par contre, j'ai fait une chose, t'as dû remarquer. Derrière chez. Comment c'est déjà? Chez Mimi. Ouais. Tu sais où il y avait les chevaux, tout ça. T'avais mis plein d'arbres et tout de caca là. Ouais. Ouais, j'ai tout enlevé. Hein. Ah ouais? Ouais, non, pas d'arbres collés comme ça. En plus, quand t'as fait spawn tes arbres, ils ont spawné dans le bois de ta toiture. Donc, du coup, ça faisait des trous dans la toiture. Donc, j'ai enlevé tout ça avant que le week-end il arrive. J'ai tout enlevé. Voilà. Quand tu fais des trucs comme ça, il faut prévenir les autres joueurs parce que du coup, on voyait plus rien derrière. Là, c'était totalement étouffé. On voyait que il y a beaucoup trop de chevaux par contre ici. C'est moi qui en ai remis parce que j'ai fait une connerie tout à l'heure. Ouais, mais là, il y en a beaucoup trop. Ils sont deux par machin. Il arrête pas de faire des conneries. Je t'emmerde, Kassouille. Moi aussi, je t'emmerde, espèce d'impolie. Bon, espèce d'impolie, on en parle de tout à l'heure, toi. Ah, c'est vous qui êtes méchant, vous êtes genre 4 contre moi. Oh. Bon, c'est quoi le truc avec les fours et la bannière et c'est quoi cette merde là? Le truc avec les fours. Non, il y a un tout petit abri avec un lit à l'intérieur. C'est qui qui a mis cette merde? Bon bah, je m'en vais, hein, ok. Moi, pas d'idée. J'en ai aucune idée par contre. Il y a Kylian, Black Nausea, là, qui demande s'il peut venir dans l'institution. Oui, il peut venir dans la discussion, tu veux dire. Liana et Voraps? T'es sérieux? Ah, oui, c'est Liana qui l'a placé, ça a été remove par Voraps. Je peux lui demander de venir. Et le coffre? Et le coffre, c'est la Wiz. Faut qu'ils m'enlèvent ça, ça fait bouseux dans le village. T'es d'accord, Blizz? Bonjour. Deux secondes, je reviens. Putain. Il se passe de la merde. Moi, je peux rien dire, hein. Parce que on dirait que je suis minoritaire parce que je suis une fille, du coup. J'ai pas vraiment d'autorité, tu vois. T'as pas tellement d'autorité, mais t'es quand même admin, on est d'accord? Oui, mais non. Oui, mais... T'es en train de me dire que t'es en train de te faire commander. Ouais, ça me... Ouais... C'est pas mal ça qu'ils font en vrai, mais je fais pas ce qu'ils me demandent, mais oui. Ah, tu fais comme tu veux aussi. Bah non. Non, tu fais pas comme t'en as envie. Bah, l'autre il est là, c'est pris pour qui? Bonjour. Ah, dégagez. Ça va Alex? Fais juste un petit coucou à Alex. Attends, ouais. Toi. Ça fait longtemps que c'était pas vu Alex. Il y a tout le monde qui a join. Vous êtes retourné d'où vous venez. On vient juste dire bonjour. Bonjour Alex. Il n'y a pas de souci. Alex nous a manqué. Franchement, pendant 3 jours, on ne l'a pas vu. Là. Ouais. Ouais, d'ailleurs, c'est quoi le tas de bouse, enfin le tas de bois, genre un abri à la con fait par la Wiz et Liana et Voraps, là, derrière une maison. Alors, c'est de votre village. C'est provisoire, ça. Oui, je suis d'accord. Ouais, je vais m'empresser de le détruire. Il faut l'enlever, cette merde. Ouais, c'était au tout début, excuse. Mais je savais pas que ça donnait sur le spawn, genre le cul de ma maison, elle donne sur le spawn. Là, c'est au spawn, là, c'est direction spawn, hein. Enlever. Tout de suite. Merci. Les fours extérieurs, c'est pareil, j'en veux pas à l'extérieur des fours. C'est pas beau, ça. Vous avez des baraques, vous mettez vos fours dans vos baraques. Alex, j'ai une question. Donne ton avis par rapport à la grosse maison qui est en plein milieu de tout, là, avec un grand toit immense. D'accord, c'est moche. Ah, tu parles de l'ancienne maison avec le toit en bois, là, en planche, là. Ouais. Bah, refaites juste le toit. Bah, franchement, même les extérieurs d'extérieur, elle est pas très belle d'extérieur. Bah, vous refaites les murs. Il n'y a pas besoin de la démonter totalement. Vous refaites les murs. Après, il n'y a pas besoin de... Faudrait aussi qu'on fasse une entrée de village.
Genre, ça paraît con, mais... Elle est là depuis longtemps, vous aviez rien dit jusque-là, et puis maintenant vous changez tout. Donc, c'est sûr que ça met des chocs à tout le monde. Hein. En même temps, le village, il évolue, le village, on va pas garder un truc. D'accord, bien sûr qu'il évolue, mais dans une ville, quand des choses évoluent, quand il y a du moderne qui arrive, est-ce que vous pensez qu'on détruit absolument tout? Il reste toujours des vieux quartiers, des anciens quartiers, et puis des nouveaux quartiers. Mais voilà, c'est à vous de voir après derrière. Vous pouvez laisser des vieilles maisons comme on vous avait fait au début. C'est bien d'en laisser au moins une, tu vois. Ça se fait un peu de patrimoine. Après, la maison-là, c'est comme un mec qui a été ban qui l'a créé. Donc, ça commence à... Il a été ban, c'était à qui? C'était à Izzy, c'est Izzy qui l'a créé. C'est peut-être Izzy qui l'a créé, mais en fait, ça m'appartient. Ça m'appartient pas, comme c'est Izzy qui a posé les murs. Mais ce qu'on propose juste, c'est un plan de délocalisation. Oui, on doit faire une maison. Il n'y a pas de délocalisation dans mon pays, moi. Tout reste dans mon pays. C'est mon village, Alex. Et ici, c'est moi qui fais la loi. Pardon. Déjà, c'est pas votre village, c'est mon village. C'est moi qui... C'est ton royaume. Voilà, c'est mon royaume. Vous avez fait votre village dedans comme un maire. Mais le maire s'est commandé, d'accord? On est bien d'accord. Hein, si demain j'ai envie de le raser, je le rase. C'est moi qui décide. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne le raserai pas. Mais, Alex? Ouais. Ma maison, dès que je la détruis, j'en refais une, c'est ça? Mais plus médiévale. Ça, tu vois, ça. Le style médiéval, vous faites comme vous voulez. Hein, c'est vous qui voyez. Moi, pour l'instant, la maison de toi, de Master Blade, là, celle que tu as actuellement, elle ne me dérange pas du tout, tu vois. Parce qu'elle est décentrée. Ce qui me dérange chez Black, c'est qu'elle est centrale, elle est au milieu de tout. Et à la place, j'aimerais qu'on la juste la recule peut-être un petit peu. Mais qu'on fasse un nouveau truc un peu mieux. Et qu'on fasse une place. Vous avez pas de place centrale d'ailleurs dans votre village. Oui, j'ai un truc à dire. En fait, de base, ma base, c'était pas du tout une maison centrale. C'est vous qui vous êtes installé autour. Ouais, oui, mais pourquoi ça te dérange qu'on veuille te recréer une nouvelle maison? Genre, c'est très simple. J'ai vous passé récupérez. Du temps à la construire. Oui, mais on s'en fout. Vous êtes plusieurs. Vous pouvez mettre une demi-heure à la reconstruire. Vous récupérez les matériaux, vous en faites une belle. Vous y mettez à 4-5. Voilà, et puis, on n'en parle plus. Puis, parce que c'est notre projet. Faire, voilà. Ta gueule avec notre projet, je te fous non plus. Par contre, celle du nouveau là, comment il s'appelle? Starting, là, je sais plus comment il s'appelle. Merci. Ouais, voilà, c'est ça. Mais lui, j'ai plus l'impression qu'elle est bien, mais genre, elle est un peu plus que le Moyen-Âge, genre, elle est un peu plus avancée. La Renaissance ou je sais pas quoi, tu sais. Ouais, elle avance quoi. Bah, c'est pas plus mal. Il est nouveau, il arrive avec une nouvelle architecture, avec un mélange de médiéval et de Renaissance, c'est pas plus mal. Moi, je trouve qu'elle est stylée, hein. Ouais, moi, elle me dérange pas, moi. Celle qui est en construction, avec de la pierre partout, là. Oui. Elle est très belle. Le problème de la maison de Nausea, c'est que vraiment, genre, tu vois, elle casse la maison de Sting, elle casse la maison de Doctor, et tu vois, si elle serait déplacée, tu vois, là, on verrait tout, parce que tu vois, on va faire une place centrale. Ouais, ça serait cool. Bah, faites comme je vous l'ai dit, vous récupérez les matériaux. En plus, on peut refaire une refonte totale de la maison. Vous avez une full touch. Oui, c'est que par. Bah, voilà, en plus, vous pouvez même récupérer le verre, vous perdez absolument rien. C'est la question de est-ce qu'on garde cette maison ou pas, c'est juste que... Mais moi je dis on fait une refonte de la maison. Et en plus, c'est juste le propriétaire, c'est vrai que Black il a son mot à dire parce que c'est quand même à lui la maison, genre c'est lui qui l'a faite. Pas forcément, la maison n'était pas qu'à lui, hein. Il a quand même partagé la maison. J'ai juste un truc à dire. De base c'était la maison à moi et à Devil, c'est vous qui vous êtes incrusté dedans. Après, des maisons de Black Nausea, Voraps, Mimi, Elsa. Voilà. Bah ouais, mais c'est parce que de base c'était que donc moi elle et Devil. Elle est absolument à tout le village, presque, on pourrait dire. Bah oui, hein, parce que je suis installé dedans aussi à un moment, donc dans Orange, c'est parti aussi. Hein. Vu le nombre de trucs. Voilà, mettez-vous tous d'accord, tous ceux qui sont sur le panneau, donc Black Devil. Enfin, Deville, Black et puis Voraps, Mimi et Elsa, ils se pètent ensemble, ils en discutent et puis après ils viennent en discuter avec vous pour savoir s'il faut la déménager, savoir où. J'étais pas sur le panneau de base, et pourtant j'ai fait partie de la maison. Oui, mais là je parle des gens qui sont de base parce que c'est à eux, tu vois. Après, t'as participé un petit peu dedans, t'as ta nouvelle maison, on va dire que t'as déménagé quoi. J'ai participé un peu de temps, c'est comme moi qui ai fait les trois quarts des coffres. J'ai fait les trois quarts du village.
commencer. Oui, bah, les ressources du village, on s'en fout. Ça, c'est à vous tous. C'est à vous de voir après. Pas moi qui gère. Par contre, le toit, c'est quoi comme bûche enfin, comme planche. C'est Alex, j'ai une question. Chaîne, d'accord, ça faisait un peu rouge. Ouais. Oui. Le toit, la maison qui vole, c'est quoi exactement? Non, c'est Docteur. C'est un vaisseau spatial. C'est le TARDIS de Docteur. C'est pas tout à fait le TARDIS, c'est une version différente. C'est une version différente. Vous en faites pas, c'est pour faire des futures quêtes et autres qui vont pas tarder à arriver. Est-ce que aussi la forge. Ouais, la forge, moi. Mouton et tout. La forge, on pourrait la détruire et construire quelque chose de plus utile à la place qui servira à tout le monde. Parce qu'elle sert à rien à part décorer. Ouais, elle a pas tort, la mimi. Mais elle est toute petite. Ou la délocaliser. Non, mais comme si vous faites une forge, faites une grande forge. Ouais, une vraie forge. Ouais. Donc, moi, je dis on la chouminer. J'ai remarqué qu'elle servait pas à grand chose. Ah si tu pars chouminer la forge, mon pote. Allez, casse-toi la forge. Moi bon, après je m'en fous parce que moi je m'occupe pas de ça, tu vois. Moi le seul truc que je m'occupe du spawn et le terraforming autour du spawn. Et le terraforming il va arriver jusqu'à votre village. Oh nice. Ah cool, mais du coup il va falloir te faire un. Les gars, il va falloir, même si on fait pas une muraille, il va falloir faire une grosse porte pour. Oui, une porte d'entrée. Bah pourquoi pas faire un. Il n'y a pas besoin. Oui, c'est cela, oui. Là, bah, si, tu sais c'est quand est-ce qu'il a été fait. Aucune idée. Moi je dis de la maison, blague, ta maison, on l'a fait en médiéval, donc non, il n'y a pas d'arc de triomphe. Bah, un arc de triomphe, ça peut se faire. Punaise de tout Eiffel, au calme. Et, en fait, attendez, je reviens vite fait par rapport à la maison de Jeff. Je ferai un cheval, il est en Black. Trop, je peux pas le garder. Non, mais t'en as trop des chevaux, toi. D'accord, parce que. Non, c'est le docteur qui les a fait spawn en plus, parce qu'il y en avait plein qui étaient morts. Et parce que le docteur, il s'amusait à balancer de la foudre dessus. Je sais. Donc, Black, je te propose un truc. En gros, ta maison, on en refait une un peu plus belle, qui rentre un peu plus dans le thème, parce que je sais pas si t'as remarqué, mais le toit de ta maison, par exemple, il revient pas du tout en raccord, et on la décentralise. Le problème, c'est que là, il est vraiment au centre de tout, tu vois. Mais ouais, mais en fait, genre, le truc, c'est que c'est pas moi qui a décidé que ça soit au centre, c'est vous. Vous êtes tous installés autour. J'ai envie de te dire, après, vous faites un vote, hein. Je sais pas combien, vous êtes 12-15. De toute façon, on a prévu, on va faire une assemblée chaque semaine, une assemblée du village, comme ça on décide des projets pendant une semaine de ce qu'on va faire. Ouais, mais mettez-vous d'abord d'accord avec tout ce qui est des maisons, là, parce que ça a l'air d'être très compliqué. Putain, tu pouvais revenir après. Hein. Bien, Doc, tu peux envoyer ton pack ou pas? Non, le pack, donc tu m'avais parlé. Non, je vais t'envoyer, attends. De quoi, le Realistico? De quoi? Le Realistico? Ouais, la version premium. Moi aussi, je le veux bien. De quoi? Moi, je vais mettre pour la maison que je lui ai faite. Oh, je veux bien le pack de textures si tu l'as. Tu veux bien que tu me le balances? Je crois qu'il y a tout le monde qui veut le pack de textures. Alors, 1€ le pack de textures, 1€ Par contre, il y a une maison nature. À l'extérieur du village, c'est normal, en forme de rond. Où ça? Mais non, mais il y a plein. C'est un délire. Attends, tu vas te taper à moi, Alex. Je sais pas si c'est qui a commencé ça, mais genre, dans la mer à côté de chez nous, il y a un putain de cercle, genre. C'était un château qui devait faire. C'est un mec qui devait faire un château. Mais j'ai pas compris d'où ça sortait, mais il y a plein de trucs, il y a plein de gens qui s'installent autour de chez nous, j'ai pas compris pourquoi. Il y a des maisons partout. Oui, mais de toute façon, je vais regarder, je vais faire un slash go et puis je vais regarder. Ah bah, les zombies, ça commence à prendre la fin. Eh, docteur, Cassandre, elle emménage chez toi. C'est Axel. C'est chez moi, ça. Elle emménage chez toi? Ouais, elle emménage chez moi. La maison, c'est à Axel. Bah, ce sera une grosse douille. Ce sera sous mes règles, par contre. C'est pareil, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'on doit quand même faire un compte de l'écurie. Parce que l'écurie, il est pas, c'est pas qu'il est moche, mais c'est que j'ai l'impression qu'il est pas fini. Okay. On refait une refonte. Bon, l'écurie, ouais, c'est ça, on le délocalise aussi. Pourquoi on délocalise tout. Pourquoi un Death Justice? Pourquoi si je le casse? J'ai peur de le casser. Mais tu sais, déjà, à la place de la forge, là, on a déjà une place. Juste, par contre, je comprends pas pourquoi vous voulez décentraliser l'écurie. Non, pas décentralisé, on va juste. Alors, la forge, j'ai localisé mon plan. Mais déjà, la place de la forge, là, on a gagné une grosse place. Oui, c'est Black, on a gagné une place de fou. Mais franchement, Black, ta maison,
C'est juste que, en gros, par rapport aux bois, par exemple, déjà le bois est différent pour la forge. Ça fait quand même, ça fait un petit peu de tâche finalement. Bah oui, mais c'est parce que toi t'as pris, mais toi t'as cherché le bois de sapin, nous non. Bah voilà, mais. Tu vois, on propose un truc, genre, tes coffres, on n'y touche pas, on les déplacera, etc. Mais on se refait juste une refonte de ta maison totale. C'est une maison plus belle. Parce bon, en fait, en clair, elle est éclatée, ta maison. Moi j'avoue que c'était le toit qui franchement me... Non mais moi c'est juste la position, c'est là où elle est, il faudrait pas qu'elle soit là, c'est tout. Franchement en fait, non, moi les matériaux me dérangent pas, c'est juste le toit qui me dérange. Genre, je trouve que la maison de Master Blade, elle passe, tu vois, elle est discrète. Mais contrairement à la maison de Neosia, là, tu la vois partout. Enfin, faudra refaire le toit de Master aussi, parce que j'avoue que là, de l'autre côté, il l'a merdé. Putain, Doctor, c'est la merde ton portail. Machine à la colle. Je t'emmerde. Du coup. Ouais, il a quoi le portail? Putain, je suis bloqué dans le sol, c'est vachement agréable. J'ai trouvé une grève. Bien fait pour toi. La la la. Bon, est-ce qu'on fait ça ou pas, Master, si on t'écoute? Non, pas toi, Master, c'est... Et c'est bas, il est parti. Non, Master est toujours. Il prend déjà la forge. Non, ouais. Un élément en moi. Black, à mon avis, ça a dû le vexer. Je sais pas pourquoi, mais ça a dû. Mais il est vexé, t'es là, il a dit qu'il faut la grosse tête parce mais grave, que. Mais grave, on gagne plein de place sans la forge. Et il va falloir que je vide tout ici, du coup. Si tu veux, je t'aide à déplacer si tu veux. Il faut vraiment vider seulement ce que j'ai besoin, c'est tout. Hein. Le reste, ça reste. Si tu remets une seule cœur box. Non, c'est bon, ça ira, j'ai pris tout ce qu'il me fallait là. Alors, du verre. Bon, je prends ton verre, je le ramène. Mais qu'en c'est non, je te le laisse le verre. Oui, quel appel. Le name tag, je prends. Là, je te laisse tout le reste, sauf la tête d'enchantement que je vais reprendre. Le tag de bois, j'ai jamais mis de façon très sympa. Des strings, je prends, c'est chiant à voir des strings. Est-ce qu'il n'y a pas de la gunpowder? Oh, ici, il y a de la gunpowder. Oh, il y a des cartes. Oh, te gêne pas, franchement. On pourrait cartographier le village. Ouais, de ouf. Oh, il a 37 de gunpowder. Oh là 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 là. T'as tellement de gunpowder. Ah bah je te laisse. Oh, hein. Oui. Dans quel coffre tu fouilles? Dans mes coffres à moi. Alors ça m'abandonne casse-fouille, tu perds. Dans mon stuff. Non, pas dans ton stuff, on a dit c'est chez moi, dans mon autre maison. Ah ok, dans ton autre maison. Et puis je te signale qu'il y a des règles ici, hein, je te le dis. Hein. Ouais, mais il n'y a pas tout le monde qui va débarquer chez toi et voler les trucs. Non, il n'y a que toi et moi, il n'y a que toi et moi. Et pourquoi t'es parti de chez moi, casse-fouille? Parce que. Okay, c'est Doc. Ils ont fait des jeux parce qu'il a fait le. Je crois pas. Tu vois. N'importe quoi. Ouais, je pense. Ah, d'ailleurs, je vais. Je vais te laisser les coffres, mais je vais te laisser vide. Alors, hop, ma pioche en diamant. Hop. Il faudra que j'enlève la starter. Ah, bah tiens. Ça vient de toi, c'est bizarre. Ah, bah nickel. Merci. Ouais, bah tu vas pas faire. Bah oui, c'était un zombie derrière toi, la Wiz. Bah, tu pourras la recentrer, la Stargate du village. Oui, aussi, au par. La baraque, elle sera partie. Oui, je la recentre. Oui. D'ailleurs, la Alex. Ouais. Alex, faut que tu me dises ce que tu penses de mon sous-sol, de mon système de sous-sol. Bouge ta race. Ah oui, t'as. C'est qui parle que je le sache. Attends, avant de lui faire montrer, j'ai envie de venir, moi aussi. Ah oui, oui. Alors, maintenant, dans mon enclos, j'ai plus qu'un seul cheval squelette. Essaye de montrer, de faire deviner où c'est l'entrée. Les moutons. J'ai plus de moutons, punaise. Sans passer en GM3, par contre, Alex. Ah bon? Ouais, c'est que tu passes en GM1 si tu veux, mais pas en GM3. Mais je suis en. Non, je suis en GM1, moi. Je te le dis au cas où. Hein. Bon, tu sais, c'est normal, mais quand même, d'être mineur et de miner de la cobble, c'est. D'argent. Vous avez détruit le champ? Oui, le champ, on l'a détruit, il servait à rien. Alex, t'es où? Bah, si. Dans la maison de Blizz. Ah, de Blizz, ok. Ah, t'es dans la maison de Blizz, là? Ouais. Bah, redescends. Mais je suis en bas. Ah, t'es en bas, d'accord. Mais d'accord. Bah, c'est ta maison. Heureusement, j'ai demandé d'attendre. Mais je suis pas en bas, en bas. Il sait pas où c'est, en fait. Ok, j'arrive. Je sais même pas comment t'as fait pour descendre. T'es où? Ah, voilà, viens. Mets-toi sur ce bloc, là. Voilà, bouge ouais. Plus. Alors, bouge plus. Ah d'accord, ok, ah. Il a fait un système de... Alors, regarde, t'as fait combien de systèmes ici? Il y en a qu'un. Deux pour le moment, mais... Ouais. Tiens, regarde le système d'enchantement. Regarde. En gros, tu te... Un, là, je pense que je le connais. Trois, quatre,
5, 6. Les 7e et le reset. Ouais, je connais, ouais, bah, c'est simple. Et après, ouais, deuxième, c'est du et t'en as un deuxième du coup, tu disais ? Moi, c'est du classique. Non, mais non, il faut que je refasse, mais c'était la porte en redstone, mais c'est ok. Et après, pour bah. Ouais, ok. Ouais, bah, c'est, voilà. C'est simple quoi. C'est simple, le mec, c'est simple. On sent qu'il y a de la redstone dans le sang. Non, mais oh. j'ai déjà alors, vu tous ces systèmes là. Il y a juste un bruit que j'aime pas trop, j'entends un truc cramer. Non, c'est la cheminée. Oh, alors, oh, il y a une maison qui crame là. Pourquoi? Ah oui, ta maison elle crame. Qui a allumé la cheminée? J'en ai aucune idée. T'as ta maison Alex. Qui crame. Oh. Attends. Alex, putain. Alex, t'as fait une cheminée. Il fallait pas la cheminée. Oh non. Oh non, putain, ma maison. Oh là là. Mec, il faut tout arrêter vite. Non, c'est bon. Il a tout fait cramer. Oh, quel enfer. Là, t'as tout qui crame, c'est même pas la peine là. Le mec, il aura. Bon, au moins, demain, ce sera à l'air déjà. Oh putain. Mais détruisez cette cheminée. Mec, t'es en train de péter tes chevaux avec l'eau. Là, c'est bon. Le pompier arrive. Ah bah, le pompier. Putain, mais mec. Alex. C'est bon. Comme au Moyen-Âge. Il y avait tout le temps des incendies. Oh, les chevaux. Il y a plus de maison. Non, c'est bon, c'est juste inondé. Non, y'a rien du tout, tout va bien. Tout va bien. C'est rien passé en fait. Le cheval. Mais attends, mais dis-toi que tu pourrais réparer ça, Alex. Je peux te passer le matériel, mais. Oh, il est pas bon, médiéval. Bon, en tout cas, c'est une cité sous l'eau maintenant. C'est... Comment ça s'appelle le style de la. C'est bon, Atlantique. Voilà, l'Atlantide. Là, c'est l'Atlantide. En vrai, ça va, elle a pas pris trop cher. À peine, mec, y'a plus rien au plein milieu, mec, t'as un trou. En vrai, ça va, je trouve. Mais mec, y'a plus rien. En vrai, t'es un peu de mauvaise foi, hein, je trouve qu'il y a rien. Putain, la vache, Alex. Il est éloigné ses chevaux, il est en train de se noyer. Putain, la vache. J'enlève. Je sais pas si qui a fait ça, mais. J'enlève les flottes. Ah, j'adore les pompiers, ils ont fait un peu le ménage, je crois. Allez, je vous laisse avec votre incendie. Oh lolo, l'enfer. Ah, en fait, je crois que c'est. C'est pas sympa comme ça. Il va y avoir un refonte de ma propre maison. Ah putain. Magie. Vous avez qui parlé ta mort, putain. Tu sais que j'ai entendu le bruit et j'ai fait putain, merde, j'espère que c'est pas ma maison. Je me retourne, je vois quoi, je vais défaire n'importe où. Je fais merde. Et mais tu sais que les joueurs, ils pourraient tellement faire ça. Genre, ils pourraient juste mettre un briquet et hop. Oui, c'est comme ça, c'est le pire. C'est vrai, on n'avait pas pensé avec le bois. Faut enlever la propagation du feu au pire. Ouais, mais c'est pratique pour les gros arbres. Mmh. Ouais, mais c'est pas pratique pour les maisons par exemple. Genre quand la foudre tombe dessus. Genre quand Doc il s'amuse. C'est qui a cassé mon toit là-haut là ? Oh putain, mais c'est même plus une maison, c'est un gruyère le machin. Bah, au moins ça fait comme les maisons incendiées à l'époque. Genre, c'est Alex qui disait qu'il fallait de l'authentique. Bah là. Voilà, mon gars, quelqu'un pourrait remettre ce cheval dans le bon sens un jour. C'est qui a pété mon toit là ? Oh, c'est un délire. Non, moi, Docteur ? Qu'est-ce qu'il y a, Louise ? Alex, on m'avait pas dit que quelqu'un avait joué avec la foudre l'autre jour ? Si, pourquoi ? Est-ce qu'on n'aurait pas foudroyé mon toit par inadvertance ? J'ai foudroyé la maison de Blizz, là, avec sa putain de cheminée, là. Quelle idée de mettre une cheminée aussi, toi, là. Moi, quelqu'un a cassé mon toit. J'aurais dû mettre un tableau ne pas allumer. Oh, merde. Et plus de ça. Bon, bah voilà, t'as une belle maison. Je t'avais que c'est un trou, le machin, mais tu fais comment tout ça ? Elle est encore belle, Blizz. Putain, la vache, la maison. Et toi, docteur, par hasard, t'avais pas foudroyé ma maison hier ? Non, pas du tout. C'est mon oncle qui l'a foudroyé. Elle est jolie, la maison, comme ça. Oui, bah, tu vas dire une maison abandonnée. Tu me diras, il y a plus d'accès, il y a plus de... Enfin, l'air rentre plus, déjà. Ah oui, là, c'est... Y a pas c'est plus lumineux, ce sera mieux pour la vente, quoi. Sinon, tu déménages dans le sous-sol, hein, sinon... Bizarre, pourquoi t'es sous le sol ? Tu déménages dans ton sous-sol, hein, sinon, bizarre. Bah, c'est ce que je vais faire, je pense, parce que je crois que j'ai pas le courage, je crois que j'ai pas le courage de tout rebuild. En vrai, ça fait maison authentique, genre, Mais maison authentique, mon gars, maison authentique, ça va des machins. Ça fait maison un peu vide.
un peu. Ah bizarre. Ouais, j'avais pas vu, ouais, mais c'est complètement pété en fait le truc. Ah non, c'est un trou. On non, met les banderoles jaunes et noires comme à l'époque. Moi je pense que ça fait quelque chose, je sais pas, ça me plaît. En fait, ce qu'il veut dire à Alex, c'est qu'il est en train de se foutre de ta gueule. Voilà. Oui. C'est qu'Alex, en plus, il a même pas vu qu'il était en train de cramer la maison quand même. Genre, il a quand même, il est parti. J'ai allumé. Peut-être que tu penses à remettre ce cheval dans le bon sens. Non, il est bien au cheval à l'envers. Mais il a failli se noyer à cause de ça. Vu qu'il avait la tête dans l'eau. Alex, c'est de rebuild, Alex. Mais au pire, c'est pas grave, Alex, je vais la raser au pire. Non, j'ai vu sous terre au pire. Au pire, j'ai une idée, c'est moi qui ai vu dans les égouts, je suis chef de la tribu. Non, il y a moyen de la réparer. Mimi, comment tu connais le passage, Mimi? Par contre, chef, ok, mais prends pas la grosse tête. Je suis tombé par accident. Toi, t'as même pas été accepté dans le village. Moi, je dis, je vais te rembourser, Alex, avec deux shulker box remplis de bois et de pierres pour que je sois encore. Et tu sais que l'alcool, c'est pas bien. Putain, mais mec, t'as fait un trou, mon pote, j'ai jamais vu ça par contre, c'est un délire. Pourquoi il y a un copain sorti? Hey, moi j'ai rien fait, moi. J'ai allumé la cheminée, c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait, moi. Moi j'ai dit, t'as fait comme Johnny, hein, t'as allumé le feu. Allumé le feu. Tu l'as allumé, tu l'as éteint aussi, hein, mais bon là. Ouais, j'ai fait le pompier aussi, t'as vu? Je suis un bon pompier. J'ai vu que t'avais fait le pompier. Mais tu vois que je me passais en créate vite fait que je t'aide. Non, pour l'instant ça va, je fais des berdes. Vous avez l'air d'être sain. Ça va. Ça n'a pas l'air d'être violent non plus. Allez, pour la peine, un petit ban, ta griffe. Yes. Ah bah là, je vais si réfléchir un petit peu. Tu m'étonnes que j'ai griffe. Un ban de mon serveur quand même, ce serait. Bon, là-haut, je sais pas comment t'as fait, hein, pour ton toit, tu te démerderas. Bah, attends, parce que en fait, je peux même plus monter, donc je peux même voir ce qu'il y a sur toi. Bah, tu veux que je te passe un peu de terre comment te dire, à rien. Bah, logique maintenant. Putain, bon, attends, je vais ramener quelques matériaux. Je vais un petit peu. Si tu veux, j'ai un peu de terre. Tu peux pas me faire rembourser avec deux shulker box vides, au pire? Non, mais je vais te rembourser. C'est quoi des shulker box? Bois, tu me dis combien il faut de bois et tout. Et tu sais même pas, il faut combien de bois, mec. C'est au feeling que je l'ai fait à la maison. Bah, tu me diras combien t'as. Alors, 468 de bois. Il y avait 3 blocs de diamant. Par 4, alors. Ouais, le diamant, il brûle pas. Le diamant, ça brûle. C'est une nouvelle logique de Minecraft, mais c'est l'impro 12. Un livre. Un livre raccommodage. Quand même. Non, ouais. Ça va. Eh. Hein, mec, j'avais un armor stone avec une armure en or. Moi, je l'ai remboursé. Hein. Attends, je t'aide un petit peu. T'avais pas d'armure sur ton armure. Si, j'avais une armure en or. Si, il a une armure. Ouais, si. Bah, c'est pas moi qui l'ai. Elle aurait ah, parce que les coffres, ils ont brûlé, hein, mec. Mais il y a tout qu'à brûler, mec. Il y aurait une maison. Ouais, les amis, des ah ouais. Beaucoup de confiance. C'est un style assez abstrait. Alors. Ton sauna, bah heureusement qu'il y avait ton sauna, il a été un peu les flammes. Franchement, ta maison était beaucoup plus stylée avant et elle est beaucoup moins stylée maintenant. Quoi? Ouais. Hey, regarde, c'est bien, on peut toujours monter. Comme... Heureusement, j'avais une baignoire. La baignoire, elle a quand même sauvé une partie de la maison. Ouais, faudrait peut-être qu'on mette tous des baignoires, hein. Ce serait très, une très très bonne idée. Ah, mais en plus, ça a supprimé le bouton en plus, c'est ça le pire. Oui, ça a supprimé, il n'y a plus rien. Bravo, ouais. Quel bouton? Ils ont chouminé la maison. Merci. Very, very, very good. Yes, well sir. Done. Well done. Very well. Je suis doué, hein. Very well. Yes, I very know. Fuck. The very Mongol. Le Mongol, oh putain. Un Mongol qui met une cheminée dans une maison en bois, très intelligent. Belle idée, hein. Belle idée. Moi je dis, c'est très bien. En plus, je me suis dit, et si j'allume, qu'est-ce que ça fait? Cheminée, bah... il faudrait peut-être la faire en pierre que en bois. Ah bah. Non, mais elle est pas en bois la cheminée. Hein. Non, elle est en brique, mais il l'a ratée. Parce qu'elle a fait. Oui, c'est de ta faute, oui. C'est elle a pas fait plouf, tu vois, elle a fait pout. Yes. Putain, mais comme ils sont, elle a brûlé, mais c'est du carnage là par contre, c'est un délire. C'est sympa, ça met de bonnes. Elle a pas survécu. Vous savez, les feux de forêt, ça arrive vite en ce moment. Surtout, j'ai entendu parler que près de la maison à... Comment il s'appelle? À Mister. Pourquoi tu parles de feux de forêt? Ouais. Putain. Blizzard? Ouais. J'aurais peut-être besoin de toi pour ton merveilleux système. Bon, bah j'ai fait comme je pouvais.
voilà. Pourquoi qu'est-ce que ça fait avec le système? De quoi? Tu veux le même? Ouais, pour descendre en bas, ouais, parce que je vais faire ma table d'enchantement en sous-sol. Il a coupé ma maison, en fait. De quoi? Vous allez copier ma maison, en fait. Allez, donne-moi ta maison, du coup. Bon, il va pas trop pleuvoir dans ta maison. Pour Alex, est-ce que tu veux pas faire la même manip pour la maison de Black, genre foutre le feu sans faire exprès? Yes. Oh, merde, alors. Oh. De quoi, vous avez dit quoi? Non, il a pas fait ça. Ça dit pas de foutre le feu à la baraque de Black? Il a flippé. Tu sais que là, le feu, il est en train de se répandre à l'intérieur, là. Ah, là tu vois, c'est le A d'Alexandre. Mince. Où ça? À quelle maison? Heureusement que le feu n'est pas répandu, sinon mais si tu veux, je peux. Encore plus. Ah, ça tu vois ça avec Black indirectement, hein, la foudre. Black? Ça Black, m'intéresse Black. D'allumer une cheminée. T'as pas mis de cheminée? Black, on a oublié de mettre le chauffage chez toi, tu le veux? Ah, je veux dire, hey, Alex, mais ça, c'est comment je connais le passage secret? Non. Parce que j'observe. Mais ouais, j'ai trouvé un passage secret. J'ai repéré les boutons. Moi, ma maison est complètement en bois, donc fais gaffe quand même. Cool, c'est facile. Putain, mais Alex, c'est un carnage, Alex, tout à fait. Oh, moi? Ne mettez jamais de cheminée. Information. Quoi? J'ai rien fait, moi. Tu peux même passer les ordres de la laine. Ça parle en bas de votre écran. J'étais pas là, moi. Cheminée. Ouais, je peux te passer. Ah, mais t'es en train de ranger, Crazy. Prends cette merde. Un démerde-toi, maintenant. C'est un peu le mec qui me boule ma maison, démerde-toi. Le mec qui me boule, ouais, c'est ça. Eh, attends, je brûle ta maison. Allez, maintenant, démerde-toi. Mais si vous voulez que je brûle d'autres choses, vous me dites. Je suis un spécialiste. Hein. Je suis Moi, j'ai pyromane. Vous connaissez Bob Lennon? Ouais, on connaît Bob Lennon. Tu sais ce qu'on va faire, Alex? Voilà. On va brûler le spawn. Tu vas venir au spawn et tu vas allumer tout ce qui est en bois là-bas, c'est pas? D'ailleurs, Alex, j'allume ta tête. Alex, alors quand on brûle les maisons des autres, c'est ouais, tranquille et tout, mais par contre, quand on doit brûler autre chose... Ouais, mais le spawn, t'es gentil, j'ai pas envie de le refaire. Hein. Ah, moi, j'ai envie de reprendre le spawn. Ouais, bah, ça va, elle a pas pris si cher que ça. À peine. Alex, tout ce qui est en bois, juste un peu brûlé, hein, c'est pas beaucoup. C'est pas grand-chose. Il y avait un peu de laine aussi, mais c'est rien, ça. Mais c'est donné. Oh, Alex. Ouais. T'aurais pas vu l'annonce de. Je l'ai perdu, mais l'annonce de Kassoul qui vendait son presse-agrumes. Putain, mais ta gueule avec ton presse-agrumes, toi. Attends. Mais je peux te le foutre dans le cul ou pas? Bah, justement, c'est l'agrume que tu mets dans le cul, ça presse l'agrume, toi. Je t'envoie l'image en privé, Alex. Mais ferme ta gueule avec ton presse-agrumes, mec. Pourquoi le cheval est-il à l'envers? Parce que c'est mon cheval à moi. Il est beau quand même, hein. Il est complètement con, hein. Bah, comme son maître. Ah, peut-être comme le fondateur du serveur qui brûle des maisons.